استاذ عزيز أنا معك. نبدأ على بركة أنا معك. الله. على بركة يلا. الله. على بركة الله. سير سيدي. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع في هذه الندوة التفاعلية عن بعد. منذ القدم استأثرت التربية البدنية والرياضة المدرسية باهتمام الإنسان، فكان لها الدور الكبير في تغيير أنماط حياته البدنية ومجالا لأجل التطور والازدهار، حيث أصبحت وسيلة من وسائل التعريف بلد ما، الأمر الذي جعل المغرب يدرك جيداً ما يمكن أن يتحقق بواسطة الرياضة من نماء وتقدم، وهذا ما عملت من أجله أيضاً البوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب للنهوض والإقلاع بمادة التربية البدنية والرياضة المدرسية من خلال برمجة مجموعة من الندوات التي تدخل في هذا الإطار، وهذا ما سنعززه اليوم بحضور الأستاذ المقتدر والمكون والإطار الوطني أستاذ عبد العزيز قرواش. فمرحبا بكم مرة أخرى جميعا، ومرحبا بمتتبعينا الكرام على البلاتفورم زوم وعلى الفيسبوك من أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية مفتشين داخل المغرب وخارجه.
وأتمنى أن تعم الفائدة إن شاء الله. أترك الكلمة للأستاذ عزيز قرواش ليتفضل مشكورا. أستاذ عزيز، أستاذ عزيز، سي عزيز مرحبا. مرحبا بجميع الحاضرين. كنظن بلي كان عندي ان بوتي بلوكاج ديال الكاميرا تطلقت ليا لا مان جو كوا. دونك اولا قبل كل شيء جو ريميرسي البوابه الرئيسيه لاسد التربيه البدنيه بالمغرب على هذه المجهودات اللي كتقوم بها من اجل اغناء النقاش وتطوير التفكير حول التربيه البدنيه والرياضه المدرسيه بصفه عامه. وكنظن بان الى يمكن نزيدوا لقدام بالتفكير وبالتطور في الممارسات ديالنا اليوميه ما يمكن الا يجي بتبادل الافكار وتبادل الخبرات من اجل مستقبل زاهر للتربيه البدنيه وللتلميذ والاستاذ المغربي وجميع التلاميذ والاساتذه في بقاع العالم. دونك اليوم التدخل ديالي غادي يكون حول فلسفة في تدريب في تدريس التربية البدنية وإغناء الرياضة المدرسية هي خلاصة تجربة سنوات في الميدان كأستاذ مكون أستاذ تربية بدنية أولا وبعد ذلك أستاذ مكون ومدرب كرة السلة. كنطلب السي عزيز إذا كان ممكن تعطيني البارتاج ديكرون. مرحبا. اوكي ميرسي. دونك كما سبق لي وقدمت دونك aujourd'hui on va voir une intervention sur une philosophie. C'est vers une philosophie, ça veut dire le vers c'est pas figé, c'est flexible. C'est moi qui vois les choses comme ça selon mon expérience, selon mon vécu, selon beaucoup de choses. Et après, chacun il peut s'adapter, il peut s'ajuster comme il veut. Donc moi, je vais présenter cette intervention et vers la fin, chacun il se décide comment il va prendre les choses et comment il va réfléchir. Et je suis ouvert à vos questions. Donc je commence par vous offrir cette petite vidéo déjà pour exciter votre réflexion et on verra, on reviendra tout à l'heure pour en débattre. Je vais peut-être vous présenter un futur collègue de Benzema, justement, sauf que celui-ci, il a 7 ans, regardez, alors il s'appelle Rodolphe Ingram, il a déjà un surnom, Blaze, ça c'est son compte Instagram, il est de Floride, 350 000 abonnés sur Instagram, des photos mises en scène, enfin, c'est déjà une star, pourquoi? Parce qu'il réalise des performances sportives exceptionnelles, vous allez voir notamment cette course qu'il a partagée sur les réseaux sociaux, course impressionnante, regardez, il a évidemment... J'allais envie de dire, il est devant, mais il est largement devant. Il exécute le 100 mètres en 13 secondes et 48 centièmes. Ah oui. J'ai regardé les médias américains. En fait, ça n'existe pas. C'est le plus rapide à cet âge-là. Il n'y a pas de record homologué plus rapide. Là, vous le voyez sur un terrain de jeu. Je vous rappelle qu'il a 7 ans et grâce à ses performances là de foot américain, il a déjà obtenu un prix universitaire. Rien que ça, alors évidemment les stars du foot et du sport en général sont déjà dingues de ce gamin, notamment LeBron James, star du basket américain, qui lui laisse des petits commentaires, voilà, sur son compte Instagram, en parlant de lui, regardez, l'homme est sournois, l'homme c'est donc cet enfant de 7 ans, le fait de passer le ballon à son autre main du côté droit, loin du défenseur, est encore plus impressionnant, on dirait qu'il parle d'un star du foot actuel, d'un Neymar, d'un Benzema, alors il faut dire que le gamin, il s'entraîne tous les jours, et il met en scène ses vidéos sur son compte Instagram. Ça, c'est un entraînement normal, voilà, un petit entraînement quotidien. C'est son papa qui l'entraîne et qui orchestre quand même tout ça. C'est là où c'est un petit peu gênant.
quand on regarde son compte, parce qu'il est très mis en scène pour un enfant de son âge. C'est parfois un petit peu bizarre. Il met en avant notamment ses abdos dans plein de photos sur les réseaux sociaux. Dans sa bio notamment, il est indiqué qu'il est modèle fitness. Donc à 7 ans, on a quand même un petit peu le temps. Son papa assure qu'il a une vie normale. Je mets quand même un petit bémol ce matin. Mais les performances sportives restent à condition qu'il ne soit pas rattrapé par les burgers. Ok, donc on a vu ensemble cette vidéo sur ce petit enfant de 7 ans bourré de qualité physique et qui est déjà sur les réseaux sociaux comme un futur champion de distance rapide, peut-être de rugby, peut-être de football, peut-être de basketball, peu importe. Donc ça nous invite, en voyant ce petit enfant, qu'est-ce qu'on va faire dans notre séance d'éducation physique? Est-ce qu'on va être sur une éducation physique éducative et sportive, ou on va aller plus vers une éducation physique sportivisée? Donc, c'est tout un débat. Ce que je vais essayer d'étayer tout à l'heure, et c'est à vous de décider vers la fin de ce débat. Mon plan d'intervention est comme suit. Donc, une petite introduction, analyse de l'enfant et de l'adolescent, l'analyse des activités physiques et sportives, décision pédagogique, exemple, et je suis là pour répondre à vos questions. L'apprenant, notre cible. L'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais c'est un adulte en construction. Donc, cet enfant, il peut devenir une star, mais on ne peut pas entraîner un enfant comme une star. Donc, c'est tout un dilemme. C'est toute une dialectique. Il faut savoir que l'enfant, c'est un homme en processus, mais ce n'est pas un homme fait pour qu'on lui attribue un entraînement de senior. Donc, il est intéressant de suivre un petit peu l'évolution biologique de l'enfant et en parallèle l'évolution d'entraînabilité de l'enfant adolescent. Donc, comme vous voyez là, en haut de votre écran, la première enfance de 5 à 8, que malheureusement on rate ici au Maroc, c'est la première enfance qui est vraiment très, très importante. La deuxième enfance de 8 à 12, c'est vers la fin du processus primaire en allant vers le collège. L'adolescence, entre la fin collège et l'enchaînement sur le lycée. Et l'âge adulte, c'est vers la fin du lycée, soit vers la vie professionnelle ou carrément les études universitaires ou professionnelles. Donc, vous voyez, il y a 4 passages. Petite enfance, deuxième enfance, adolescence et âge adulte. En parallèle, on a 4 stades de développement en sport. L'initiation 5 à 8, formation, c'est l'âge le plus important pour le développement de joueurs et des enfants scolarisés de 10 à 15, et qui est en parallèle un croisement entre la deuxième enfance et l'adolescence. La spécialisation à partir de 16 ans et la vie professionnelle à partir de 26 ans. Juste ici pour donner une petite remarque, c'est que l'âge professionnel, il commence à partir de 16 ans jusqu'à 26 ans. C'est-à-dire pour avoir un joueur professionnel, il faut 10 ans. Ça, c'est les études américaines, canadiennes et australiennes qui sont fortes sur ce schéma-là. Donc, un petit comparatif entre l'enfant et l'adulte. Les qualités, en termes physiques, l'adulte il est construit, le jeune enfant est en construction. En termes cognitifs, l'adulte il a un cognitif développé en termes de choix décisionnels. L'enfant est en construction. L'affectif, l'adulte il est capable de maîtriser ses émotions. L'enfant il est fragile, et vous le voyez dans les séances, soit d'éducation physique ou d'entraînement, l'enfant il peut basculer facilement vers les larmes, vers la colère, vers le recul devant une situation d'apprentissage ou une situation d'entraînement. Donc, son émotion est vraiment fragile. Le mental, l'adulte, il contrôle son mental plus ou moins avec le stress de compétition, mais l'enfant, il ne peut pas contrôler son mental, et on dit que le stress, il le bouffe, il le mange. Donc, quelles sont les décisions pour tout pédagogue ou tout entraîneur? On n'entraîne pas les jeunes de la même façon que l'adulte. Donc, la différenciation s'impose.
L'évolution est simplifiée au niveau des jeunes. C'est la facilitation. Moins de compétition, mais plus d'apprentissage. On est sur le développement. Ne cherchez pas de résultats, cherchez l'apprentissage et l'acquisition. La motivation est la clé de réussite. C'est les encouragements. Il faut toujours encourager ses enfants. Ils ont besoin d'être encouragés pour aller vers l'avant. Il faut pas les sanctionner. La sanction, elle bloque l'apprentissage. Des programmes d'entraînement ou d'apprentissage, ils sont progressifs, graduation, c'est-à-dire comment on enseigne ou on entraîne un minime et un cadet, ce n'est pas qu'on entraîne un cadet junior ou un élève de collège, lycée. Donc, ce n'est pas la même logique, ce n'est pas la même chose. Donc là, il est très intéressant de revenir un petit peu sur les travaux de Maria Montessori, sur les étapes de développement. Donc, on a quatre niveaux. La petite enfance de la naissance jusqu'à 6 ans, c'est l'âge du contrôle du moi. On essaie de se retrouver, on essaie de se découvrir. La deuxième partie, c'est une partie de 6 à 12 ans, c'est l'enfance, c'est l'âge moral. On essaie un petit peu de comprendre l'entourage, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. La troisième période, c'est de 12 ans à 18 ans, c'est l'adolescence. C'est vers la fin de la deuxième enfance, vers l'adolescence. C'est la perturbation un petit peu socioculturelle pour se construire sa propre personnalité. Et de 18 ans à plus, et je dirais de 20 ans à plus, c'est la maturité, c'est l'âge de construction de valeurs et principes qui vont guider la vie du futur citoyen. Là, on revient au biologique. Ça, c'est les travaux de Paul Ford, 2011. Là, on a des évolutions en termes biologiques. Donc, comme vous voyez avec moi, il y a une partie qui est un petit peu claire, en blanc. C'est l'âge biologique propice pour le développement des apprentissages. C'est généralement entre 8 à 12, 13, 14 ans. Ça dépend encore, ça diffère, ce schéma selon les pays parce qu'il y a d'autres facteurs, le climat, la nourriture, la lumière et ainsi de suite. Donc, mais généralement, la période propice pour le développement, c'est entre 15 et 11. Là, on peut gagner beaucoup en termes d'apprentissage parce que biologiquement et neurologiquement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent nous faciliter. Je vous donne des indicateurs à titre d'information. Entre 8 à 12 ans, l'enfant qui pratique une activité sportive, il gagne 6% par rapport à un enfant qui ne pratique pas. Il gagne en termes de force à 4%. Le développement du système nerveux, il est à 8% entre un enfant qui pratique du sport et un enfant sédentaire qui ne pratique pas. Donc, cette deuxième enfance, elle est vraiment très capitale, elle est très propice pour le développement physique, mental et cognitif et également l'émotionnel. Donc là, on va balancer tout de suite sur le stratégie parallèle à ces âges. À moins de 8 ans, on est sur les situations jouées, découvertes, familiarisation. C'est comme vous voyez en bas à gauche de votre écran le fondamental et vous voyez bien avec moi, c'est du fun, FUN, ce n'est pas du FAN. C'est-à-dire il faut prendre du plaisir à jouer. La deuxième partie, c'est apprendre à s'entraîner, généralement de 8 à 12. Après, de 12, de 11, 12 jusqu'à 15 ans, c'est l'entraînement pour l'entraînement. Ça, c'est vraiment la formation technique, apprentissage des mouvements techniques correctement. La partie de 16 ans et plus, c'est vraiment l'entraînement pour la compétition. C'est la grande voie, c'est l'autoroute vers la spécialisation. Ce qui veut dire, par contre, que pas de spécialisation avant l'âge de 15 ans, 16 ans. Là, sur les phases de croissance, vous voyez le rythme de croissance entre les différentes parties, la première enfance, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et vous voyez dans la période, entre la période 11-15 ans, qu'est-ce qu'on gagne en termes de croissance rapide, déjà là, ça par rapport à la taille en centimètres. Même chose ici, c'est toujours par rapport à la taille d'une année à une autre, 11, 12, 13, vous voyez le pic, il se situe généralement entre 12 et demi, 13, 13 et demi. Là, on est sur le pic de taille
qui est une période propice pour développer des apprentissages techniques. Et le PS, donc on a vu toute cette histoire-là de biologique, sociologique, mental et physique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans l'éducation physique? On va voir tout de suite. Le PS, éducation physique et sportive, elle participe au développement cognitif de l'enfant et l'adolescent. On est bien d'accord. Donc, d'abord avec son corps, le concret, il découvre ses segments, il découvre leur fonctionnement, puis ses apprentissages s'acheminent vers le cerveau, l'abstrait, ce qu'on ne voit pas, les connexions nerveuses, les circuits nerveux, ce qu'on a dit tout à l'heure, déjà avec 8% avec la pratique, c'est déjà pas mal, on construit des autoroutes nerveuses pour stabiliser des automatismes. Et encore le développement physique en termes de gains musculaires, cardiovasculaires, pulmonaires et croissance. Le sport scolaire, à la lecture des orientations officielles, déjà on est sur 11 objectifs. Si on analyse la répétition du mot sport, il est évoqué 15 fois, c'est-à-dire qu'il y a une insistance. Les intentions du législateur, pratiquer, développer, faire rayonner, organiser, nouer du relationnel avec le civil. Ça, c'est un amour vers la compétition et le sport, mais un petit peu timidement. Là, on va essayer d'analyser un petit peu cette relation EPS-sport. Pas indépendant, mais plus complémentaire. Et vous voyez avec moi l'intersection entre les deux qui retient de l'EPS le vecteur sportif et qui retient de l'ASS ou le sport scolaire le vecteur sport. Analyse du sens des activités. Les activités collectives, sport collectif. La gestion, on est plus sur la gestion de décisions et de groupes. Quel choix prendre? Analyse, traitement de l'information. Le contexte, c'est plus l'espace et le temps. Basketball plus pression temporelle et de temps. Une exception au volleyball où on joue plus avec les points, mais on doit tout couvrir l'espace. Handball, grand espace. Rugby, grand espace avec une évolution, avec une passe arrière et ainsi de suite. Donc, espace et temps, mais collectivement. Les activités athlétiques, on est plus sur la régularité de l'effort. Créer, conserver. En demi-fond, en fond, tout ce que vous voulez. C'est plus un objectif avec l'espace et le temps. Mais est-il que c'est individuellement, avec une petite exception pour les activités de course, de relais, où on est un petit peu, c'est de l'individuel dans le collectif. Les activités gymniques, on est plus dans la conformité par rapport à des schémas, c'est l'exactitude, c'est la reproduction. C'est plus la gestion de son corps par rapport à un espace individuellement. Et je dirais par rapport à des plans et à des axes. L'analyse de l'exécution dans l'activité. Dans les activités collectives, on est sur la transition attaque-défense. C'est-à-dire, tu marques, c'est tout de suite tu es dans un statut de défense. Tu es en défense, tu gagnes la balle, c'est tout de suite tu es dans un statut d'attaque. L'objectif terminal, c'est plus de points. Les activités athlétiques, c'est une première phase composante technique, une première phase qui est importante, course appel pour la création d'une vitesse, d'une force horizontale et transmission selon nos orientations, soit finale, soit horizontale, verticale, lâcher final dans les lancers et arriver par rapport aux courses. L'objectif terminal, c'est gagner plus d'espace, hauteur, longueur, triple saut, et ou moins de temps avec ou sans obstacle, c'est plus course vitesse, ou avec obstacle, c'est-à-dire les haies et ainsi de suite. Les activités gymniques, c'est la mise en action pour la création de force et la transformation de cette force acquise dans un espace multidimensionnel par rapport à des axes et des plans. C'est plus l'exactitude, c'est la conformité avec moins d'erreur d'exécution. Donc, généralement, on est sur des fondamentaux en défense, en attaque lorsqu'on parle de sport collectif. Défense individuelle, défense collective, attaque individuelle, attaque collective. Sur les sports collectifs, les fondamentaux en attaque,
Et en défense, on va voir d'abord en attaque parce que l'attaque, elle permet de gagner des points. Et la défense, elle permet de stopper l'adversaire de gagner des points. En attaque, on est plus collectivement sur un projet de jeu offensif et individuellement, on est sur les fondamentaux, dribbler, passer, tirer. Ça, c'est partout dans les sports collectifs. Et encore les types de déplacements offensifs, en avant, en arrière, latéral. En défense, on est toujours sur un projet de jeu défensif et individuellement, on est sur les défenses sur porteurs de balles ou encore la défense sur les non-porteurs de balles. Également, y compris les types de déplacements défensifs en avant, en arrière, latéral, en diagonale. Si on passe maintenant aux fondamentaux athlétiques, on est sur deux composantes qui sont importantes. Les sauts lancés et les courses. Sur les sauts et lancés, la composante principale, c'est la création de force. La deuxième composante, c'est la transformation ou le transfert. Je parle de transfert, c'est lorsqu'il s'agit de lancer, parce qu'on transfère cette force de son propre corps vers l'engin pour qu'il aille parcourir un chemin. On parle de transformation, c'est la création d'une vitesse. Et avec son corps, on essaie de franchir un espace avant horizontal dans le cas de longueur ou vertical dans le cas de hauteur ou encore de la perche. Dans les courses, c'est toujours la création de vitesse et la conservation, soit en course de vitesse ou en course de longue durée. Passons maintenant à la gymnastique. On a deux composantes, soit les mouvements à deux mains. Ou le mouvement à une main. À deux mains, je fais référence au saut de main, rondade. Mouvement à une seule main, ça peut être la roue, comme ça peut être un saut de main à une seule main, ou également une rondade à une seule main. Toujours, la composante, c'est toujours la création d'une force et la transformation selon un axe et un plan. Ça peut être des rotations, comme ça peut être des acrobaties, et également, ça peut être des éléments de maintien, comme l'ATR. OK, c'est bon de savoir un petit peu le biologique, c'est bien de savoir les activités. Là, la grande question, comment on va organiser tout cela? Eh bien, c'est très facile. Les rythmes de l'apprentissage. Selon les théories de l'apprentissage moteur, on est devant deux composantes. Il y a les conditions standards, il y a les conditions changeantes. Les conditions standards, c'est plus pour la maîtrise de l'exécution. Les conditions changeantes, c'est plus pour la vitesse de l'exécution. Là, sur la première partie, on est plus sur l'apprentissage technique de l'élément. Dans la deuxième partie, les conditions changeantes, on est plus sur la vitesse de l'exécution de l'élément technique appris. De là, comment répartir notre travail selon les niveaux d'âge? On est là à quatre rubriques. La première enfance de 6 à 9, c'est s'amuser grâce au sport, c'est plus se familiariser. C'est le plaisir de jouer et de participer, c'est la joie. Comme on a dit tout à l'heure, c'est le fun fondamental avec un FUN, prendre du plaisir. En anglais, le fun, ça veut dire le plaisir. La deuxième partie du 9 à 12, la première enfance, c'est apprendre à s'entraîner, c'est l'initiation. C'est le développement général des habiletés sportives, multisports, tous les sports. La troisième partie qui est un peu très importante pour nous, c'est la partie 12-16 pour garçons, 11-15 pour les filles. C'est s'entraîner à s'entraîner. C'est le développement des habiletés spécifiques au sport. Basket pour basket, handball pour handball, foot pour foot, athlétisme, athlétisme, gym pour gym. La dernière partie qui est de 16 à 20 ans et plus, fille 15 ans et plus, c'est s'entraîner à la compétition. C'est là où on vise la spécialisation. Et je reviens encore pour vous rappeler, vous alerter, pas de spécialisation dans le jeu posté avant 16 ans. Ça, l'objectif, c'est le développement des qualités physiques reliées spécifiquement à une discipline sportive ou poste occupé. Là, un petit peu, je vais oublier le primaire, parce que ça n'existe pas au Maroc, je vais être un petit peu pragmatique et je vais parler par rapport à l'apprentissage EPS et sport scolaire et sport au Maroc. La première phase, de 8 à 12, c'est l'initial.
L'approche d'entraînement, c'est la démonstration par le professeur ou un élève doué. On a eu l'occasion de voir au début de cette intervention ce jeune enfant doué dans la vitesse. Donc, ça peut être une référence pour la démonstration de vos apprentissages en EPS ou en sport. Technique d'entraînement, c'est la répétition. Il faut répéter, corriger, répéter, corriger, répéter, corriger. Objectif terminal, comprendre, mémoriser. On est en train de créer des fichiers neuromoteurs dans le système nerveux des élèves ou des jeunes sportifs. La deuxième partie, c'est une phase de renforcement de 13 à 16 ans. Donc là, c'est la visualisation sur des dessins au croquis. On se permet de dessiner. La technique d'entraînement, c'est plus la répétition et l'intégration et le renforcement. C'est le cœur de l'apprentissage. La passe pour la passe, le tir pour le tir, le dribble pour le dribble. Jambe tendue pour l'attaque de la haie, reprise rapide avec la jambe libre. Fouetter de la jambe libre pour récupérer, pour ramener et le fouetter terminal des deux pieds dans le saut de main. L'objectif, c'est comprendre et composer le mouvement. C'est dribbler, tirer ensemble, courir, sauter et tout ce que vous voulez. La dernière étape, le perfectionnement, comme je l'ai cité bien avant, c'est de 16 à 26 ans, c'est la problématisation de la situation. Ce sont les situations jouées où on pose un problème. C'est répertorier, précision et situation de jeu simulée. C'est-à-dire, on essaie un petit peu de jouer comme les situations de jeu globales. C'est adaptation aux situations changeantes. Par exemple, 5 contre 4, 4 contre 3 et ainsi de suite. C'est mettre notre élève ou mettre notre joueur dans une situation réelle de jeu pour qu'il puisse développer dans un système cognitif un répertoire de situations de jeu lorsque le jour du match il arrive ou la situation de référence finale pour l'évaluation, il est déjà prêt pour bien répondre et gagner une bonne note ou gagner un bon match. D'accord. Quel est le processus normal d'un sportif? École plus collège comme une base et le lycée pour l'affinement. Donc, initiation 5-8 ans, formation 10-15 ans. Et après, une spécialisation 16-20 ans. Après, selon encore le club professionnel où il va jouer ou si on estime qu'il est sur d'autres activités non professionnelles, comment il va développer sa carrière sportive. Comment allons-nous adapter ce parcours sportif par rapport à la réalité marocaine? Collège plus 1, c'est-à-dire on va prendre une année du lycée pour être sur 4 ans d'apprentissage, initiation, formation et se limiter à la spécialisation au lycée avec un renforcement dans le sport scolaire, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, scolarité, collège, lycée, collège avec initiation, et la formation 2 plus 1. C'est-à-dire la première année où il va venir au collège, on va travailler que de l'initiation. Et après, les deux années qui restent du collège, on va aller vers la formation. Et encore la première année du lycée, il va être encore sur la formation. Sur les deux années qui restent du lycée, il va être totalement sur le perfectionnement. Alors, ça, c'est très beau de dire comment on va organiser les contenus selon les niveaux. La perspective d'enseignement, entraînement, sport collectif, athlétisme, gymnastique. Sur le collège, on va être sur des activités de petit terrain. Et tout à l'heure, je vais donner des exemples. Au lycée, on va balancer vers les grands terrains. Athlétisme, on va être sur des activités simples. Au lycée, on va être sur des activités composées. En gymnastique, on va être sur des mouvements isolés, simples, pour aller au lycée vers des mouvements enchaînés, complexes. Exemple, groupement des activités. En sport collectif, on peut être sur basketball parce que c'est petit terrain, mini-foot au lieu du terrain de football, volleyball parce que c'est petit terrain et ça permet de jouer sur cette pression informationnelle dans un petit espace, le rugby à 7 au lieu du rugby à 15, l'ultimate frisbee parce que c'est du sport collectif avec un petit espace. Au lycée, c'est du football, handball, basketball, rugby à 15. Donc, comme vous voyez avec moi, on a balancé de petits terrains
vers grand terrain. Athlétisme, course de vitesse plate, saut en longueur, lancer de poids. Lorsqu'on balance vers le lycée, c'est course de vitesse S, c'est-à-dire on fait introduire l'obstacle pour être dans la difficulté. Lancer de disque, là où on passe d'une manipulation simple, l'engin, pour aller vers un mouvement rotatoire circulaire pour lancer. Le triple saut pour passer d'un saut normal en longueur vers un saut composé, foulée bondissante, cloche-pied, saut final. Et le saut hauteur, au lieu d'aller vers une course normale directe, on est sur le curviligne et le rectiligne, pardon, et après le curviligne. En gymnastique, au lieu d'être sur un élément isolé, acrogym aérobique au collège, on balance au lycée vers des enchaînements gymniques complexes et catégoriquement vers la GRS avec différents rythmes musicaux pour pouvoir développer cette adaptation de rythme par rapport à la musique. Les principes de jeu avec les objectifs. En sport collectif, en collège, on va travailler uniquement la conservation-progression comme principe collectif. Et sur l'individuel, on va travailler que les fondamentaux individuels. Lorsqu'on balance vers le lycée, c'est la progression de l'attaque et l'efficacité. C'est la compétition. En athlétisme, on va être sur la mise en action, liaison, course, appel, avec développement des qualités physiques et techniques, parce que l'âge biologique, il nous donne cette porte pour développer. Lorsqu'on balance vers le lycée, c'est plus la correcte exécution, performance, renforcement dans différents milieux. En gymnastique, au collège, on va être sur la maîtrise des postures et des rotations avec développement des qualités physiques et techniques. Lorsqu'on balance sur le lycée, c'est plus les enchaînements diversifiés avec des thèmes. La progression pédagogique, comment on peut travailler ça? Sur la première partie, l'initiation, on va être sur les parcours généraux, forme, jouer. C'est la petite enfance. Dans la phase de collège, on va être sur les parcours spécifiques, techniques. Au lycée, on va être sur les situations simulées de jeu. C'est terminé avec les fondamentaux, du moins s'il y a du renforcement. Le parallèle, quel niveau? Parcours généraux, forme, jouer, c'est pour la familiarisation, initiation. Parcours spécifique pour la formation technique, développement pré-tactique. Situation simulée de jeu pour le développement du perfectionnement et de la spécialisation. Attention encore, je reviens toujours à insister sur ça, éviter la spécialisation avant l'âge de 16 ans. Parce que 15, 14, 13, 12, 11, on est encore dans les fondamentaux individuels et collectifs. Maintenant, on a terminé avec le PS et malheureusement, à l'école, existe aussi le sport scolaire. Il faut parler du sport scolaire, ça c'est très important. Eh bien, au collège, l'AISS va être le complément de l'EPS parce qu'on a besoin de renforcement de l'apprentissage. Parce que malheureusement, on n'a pas de primaire, où on estime dans le futur qu'il y aura de l'éducation physique au primaire. On est optimiste pour le futur. Mais peu de compétition parce qu'on est dans une phase de formation. Et tout à l'heure, je vais expliquer ça. Sur le lycée, l'AISS, c'est un complément de la spécialisation, mais beaucoup de compétition, beaucoup de matchs. Faites jouer ces garçons-là. Pardon. L'évolution de la compétition, j'ai pris ici l'exemple lituanien. L'âge de 10-12 ans, c'est à 30 matchs par an. 13-14 ans, c'est à 40 matchs. 15-16 ans, c'est à 50 matchs. 17-18 ans, c'est à 60 matchs. Ça, c'est très intéressant. Et voyez avec moi ces chiffres et calculez avec vos élèves et calculez avec vos performances en termes scolaires. Est-ce que vous êtes généralement sur cet esprit-là de compétition pour pouvoir dire que le sport scolaire, il permet la promotion du sport national. Et est-ce que le sport scolaire, c'est un complément de l'éducation physique? Un rappel très important et qui s'impose, le moteur de la réussite, c'est les enseignants, sont les enseignants. Très impératif, très important, la formation continue est périodique. Ce n'est pas une formation par an,
par an, mais un minimum de deux à trois formations continues. La motivation, les gens qui font des bons résultats, il faut les motiver, il faut les bonifier. Ça, ce sont des impératifs pour pouvoir réussir tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Mesdames et messieurs, j'arrive au terme de mon intervention. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Quand vous pouvez me contacter via mon mail ou je suis aussi accessible sur Twitter ou sur Facebook. Monsieur Aziz, à vous, je suis prêt pour le débat. شكرا للاستاذ المقتدر السي عزيز قرواش على هذا الموضوع الشيق. شكرا لكم مره اخرى. الذي يهم شريحه كبيره من اساتذه التربيه البدنيه، تعرفنا من خلاله عن الاطار العام البيولوجي للفرد ومراحله واطواره المختلفه، وكذلك علاقات التربيه البدنيه والتحليل العام للانشطه الرياضيه على المستوى الفردي او الجماعي. ثم انتقل الاستاذ جزاه الله خيرا في المرحلة الثانية إلى إيقاعات التعلم وبشرطين، الشرط الثالث والشرط الشرط الثابت والشرط المتحول، ولا يمكن التكلم عن التخصص قبل 16 سنة. وهذا نحاول نسطروا عليها أستاذ مرة أخرى إن شاء الله. أكيد. ثم مقارنة بين الإعدادي والثانوي فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية، وفي الأخير تطرق إلى موضوع الرياضة المدرسية وطبيعة التدريب. شكرا مرة أخرى، ونفتحوا باب الحوار والنقاش والأسئلة ديال المتدخلين، ومرحبا بالجميع مرة أخرى. الأساتذة الله يجزيكم بخير، اللي عنده شي تدخل ولا شي سؤال مرحبا، ولكن يكون في واحد الوقت وجيز نتاع دقيقة حتى دقيقة ونصف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية تربوية لكافة الأطر الساهرة على تنظيم هذه الندوة، السيد المحاضر عبد العزيز قرواش الصديق والزميل والإطار المحنك في رياضة كرة السلة وأستاذي العزيز. Merci à vous pour les divers et enrichissants informations que vous nous avez apportées. L'introduction à ma question sera que visant à spécifier que l'EPS a comme objectif une différenciation, une facilitation, un développement et un encouragement de toutes les constituants de nos apprenants, élèves. Vous ne voyez pas que l'élève, dans son passage dans l'école marocaine, et surtout en visant ses capacités, son apprentissage au niveau matière EPS, il y a un manque d'accentuation sur la phase très, très, très intéressante et très importante, celle de 8 à 12 ans, comme vous l'aviez dit dans votre introduction, que l'enfant de moins de 8 ans doit être familiarisé à tous les sports, à tous les jeux. De 8 à 12 ans, il doit apprendre à s'entraîner, comment s'introduire dans un entraînement ou dans un apprentissage d'APS. Et là, quand il rentre sur le collège, à l'âge de 12 ans, on rentre avec lui directement sur l'entraînement. Vu ce qui se passe dans l'école primaire marocaine, on va dire que la discipline EPS, تربية البدنية, مادة تربية البدنية والرياضة المدرسية, إما أنها تؤدى وبطرق نقول عنها ربما كاوتيك, أو بيان لا تؤدى نهائيا. إذن في حالتنا هذه وكأننا نستقبل التلميذ وكانه أول يوم له في المدرسة المغربية في مادة التربية البدنية, عندما يلج القسم
السنة السابعة يلجها وكأنه في أول يوم من حصص مادة التربية البدنية. Alors, qu'en pense notre conférencier sur cette phase, cette transition, cette phase de l'école marocaine, de l'apprentissage de nos élèves, pendant laquelle il leur manque cette période de familiarisation et d'apprentissage à s'entraîner. Je passe à ma deuxième question sur les... Ce n'est pas une question, mais c'est un ajout pour les propos que nous a avancés, M. Aziz. C'est que pour le sport scolaire, j'insiste que le joueur, autant qu'il soit un enfant de 8 ans, un joueur de civil d'une catégorie minime ou de U12 ou U16, ou que ce soit un joueur d'équipe nationale ou d'élite, ça reste toujours un enfant. Vous voyez que le truc de cognitif, la joie de jeu, reste toujours présente dans tout apprentissage de sport. Alors, comment allons-nous changer cet aspect dans nos séances d'EPS, dans nos cycles d'apprentissage dans l'école marocaine, afin d'amener nos élèves à aimer le sport, à aimer la pratique sportive dans son enceinte écolière. Merci à vous, merci à tous les organisateurs et merci à M. le conférencier Aziz. Badr Misri. Je m'excuse, j'ai oublié de me présenter. Badr Misri, votre collègue, Oustad Alim El-Ibtidaï, مدرب وطني سابقا لرياضة الرجبي للمنتخب الوطني الرجبي ذكور ونساء مكون دولي لدى الجامعة الدولية في رياضة الرجبي للمدربين. مرحبا مرحبا أستاذي السي عزيز، نحاول نجمع واحد خمسة مداخلات ولا ستة أستاذي العزيز وجاوب عليهم. لا نفضل نجاوب وحدة على وحدة باش ما يهربليش لو فيلم. مرحبا مرحبا تحية ل أستاذ بدر المصري اللي هو أو ميم طون أستاذ ومناضل في الكرة المستطيلة لو ريغبي. دونك لا كيستيون إلي تخي إمبورتونت إي لو كونسا إلي لا سي كو سي أون أريف با إنستوري دو ليدوكاسيون فيزيك أون بريمير سي ديجا أون سانكسيون لي أبرونتيساج أو نيفو دو كوليج أو دو ليسي. سي بوركوا موا جي في سو ديكوباج دادابتاسيون. C'est-à-dire sur l'apprentissage, on va prendre 4 ans pour être sur une initiation poussée et formation pour pouvoir se spécialiser à partir du première année et deuxième année bac. Donc c'est très très parce que là nos élèves ils viennent du collège comme une page blanche. C'est vrai qu'ils jouent à l'extérieur, ils jouent dans la rue, ils jouent dans la plage et beaucoup de choses, mais c'est pas un jeu structuré. Donc on est obligé dans la première année collège de les familiariser et de les initier pour pouvoir par la suite dans la deuxième année collège balancer vraiment sur la formation en termes d'apprentissage technique. Donc ça c'est très très important. La composante AISS, c'est pourquoi moi dans mon schéma j'ai dit que l'AISS elle doit être un complément de formation d'éducation physique avec moins de compétition. Et là j'ai oublié de signaler un point, c'est que sur les compétitions au niveau d'AISS, on se limite au niveau régional au lieu d'aller vers l'académique et le national. Pourquoi? Pour pouvoir jouer un maximum de compétitions dans un schéma aller-retour au niveau régional. Chaque délégation elle développe son propre championnat. Et on va aller vers le national, vers un bon niveau à partir du lycée. C'est-à-dire qu'on va avoir une formation qui est complète, qui va permettre aux élèves d'être dans la compétition. Avec plus d'optimisme et plus de coopération entre les ministères de jeunesse, de sport et l'éducation physique, je dirais que les équipes d'AISS peuvent être intégrées dans le championnat des jeunes pour jouer avec une option de non classement, c'est-à-dire ces équipes-là, elles ne peuvent pas monter. C'est-à-dire si une équipe AISS est le premier et une équipe civile est le deuxième, c'est l'équipe civile qui est première dans le classement par rapport au championnat civil. Donc là, je suis parfaitement d'accord avec toi que
Le primaire, il sanctionne l'apprentissage de nos élèves. On est obligé de compenser lorsque l'arrivée de ces élèves au collège pour les initier, les familiariser, pour pouvoir par la suite aller à un travail parallèle en AICS et en EPS vers la formation développée de nos enfants pour avoir un capital culturel sportif respectable. Et par la suite, qu'on puisse passer au lycée dans une phase de perfectionnement et spécialisation. Donc, je passe à votre question 2, le cognitif entre adultes et enfants. Le cognitif adulte-enfant, c'est plus par rapport à cette capacité de traitement d'informations et de lecture de situation. Tout à l'heure, j'ai parlé des circuits neuroliques. Ce sont des choses qui sont très importantes pour pouvoir choisir les bonnes décisions. Lorsque on regarde jouer un adulte, on sait déjà qu'il a des schémas nerveux déjà préétablis dans sa cervelle. Ça lui permet de choisir les situations adaptées le plus vite possible. Alors que par rapport à un enfant, il est dans une situation compliquée où il doit chercher la solution parce qu'il n'a pas au préalable dans son répertoire moteur et cognitif et il doit encore chercher pour s'adapter. Sur ce niveau-là, y a un consensus. J'aimerais revenir un petit peu sur l'affectif. Vous avez dit que c'est un petit enfant. Là, le degré d'émotion, il diffère. Entre émotion pour un adulte et un enfant, ce n'est pas la même chose. Un adulte, il est dans l'émotion parce qu'il a perdu quelque chose. Un enfant, il est dans l'émotion parce qu'il a un blocage pour rentrer dans l'apprentissage ou peut-être il n'est pas dans cette option de correction. Imagine le simple feedback entre un entraîneur, un professeur par rapport à un adulte en termes de correction pour l'amélioration, il peut l'accepter pour se corriger et être beaucoup meilleur. Regarde le feedback, le même feedback d'un enfant par son professeur et son entraîneur. S'il est mal dosé et mal cadré, ça va faire une barrière émotionnelle pour permettre à cet enfant de continuer et d'être sur l'apprentissage. J'espère que j'ai apporté des éléments de réponse à votre question, c'est Badr, et c'est toujours un plaisir de discuter en parallèle ou après cette conversation. Soukran, Oussad Mouqtadir, c'est Aziz, à la Ijab al-As'ila. On me roule le kalima, le Mouftish, Oussad Mouqtadir, c'est Abdoutef, Chorafi, Faliata Faddal Mouchkoura. Marhaban, Oussadi. Assalamu alaikum, c'est Aziz, marhaban. Ou c'est toujours un plaisir de vous écouter ou d'être parmi l'auditoire qui se met. C'est Aziz, c'est une compétence qui n'a plus rien à démontrer. Alhamdoulilah, c'est une grande compétence. Chiran Golgher le basket, n'en parlons pas. Qu'à Morbi, qu'à Oustad, qu'à Moukouin, c'est un nom qui est Chal. C'est le terme, c'est Aziz. Merci beaucoup. Je suis honoré, c'est Chorapi. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est Aziz. Ce sont des questionnements. Je suis une question. Si Aziz n'empêche pas de faire des parties de l'émotion, je vais vous dire que Aziz, le thème est vers une philosophie ou le choix, le concept, le thème est vers une philosophie, par hasard. En général, une philosophie, c'est une façon de voir, il y a une façon de voir d'une personne, c'est une philosophie d'une personne, c'est une façon de voir, les consolider par les théories scientifiques. Donc, on commence à discuter, on donne notre point de vue, mais on le consolide avec des théories scientifiques pour convaincre les autres ou pour les amener à adhérer à une fikra moyenne. Le tasawwur l'am, si Aziz, théoriquement, je n'ai rien à dire, sauf que, la question qui peut se poser, est-ce qu'on a des études sur l'état d'avancement des techniques ou des tests de détection des jeunes talents? On a un lien avec la spécialisation de l'Ibrine Ndirouf, deuxième cycle. Deuxième des choses, le sport, c'est l'Ibrine Ndirouf, le civil, le sport civil, le sport scolaire. Parfois, il faut le faire avec précaution, parce qu'on parle ici de 8 millions d'élèves.
alors que la dernière fois في واحد المداخله قلت بان لو نومبر ديال لي زافي ديال لي كلوب كلهم جميع لي فيدراسيون سا نو ديباس با لي 240000 ça veut dire la différence elle est grande très grande علاش باش ان كلوب في حد ذاته لو شوا دون اكتيفيتي ou d'être membre d'un club, ce n'est pas un choix délibéré. C'est un choix qui passe par une sélection, par des tests. L'école, l'enseignant de PS n'a pas le droit de dire à un élève en second cycle qui a choisi le volleyball et de lui dire je m'excuse, il faut changer de choix. Il faut changer de choix. Alors que nous avons une spécialisation. À un moment donné, sur les 2 millions d'élèves, ils ont 9 ou 1 million et quelques, ils ont 9 ou la spécialisation. La détection des jeunes talents, ça veut dire par accident, on peut avoir 60% de talents qui ont fait un mauvais choix, c'est-à-dire une mauvaise spécialisation. Nous avons l'âge de. L'équipe fait un sport, c'est-à-dire l'âge, pardon, pour avoir une idée, je l'ai déjà inscrit quelque part, l'âge de consécration, le sport en général, c'est entre 25-26 ans. C'est-à-dire 26, exact. Exact. Merci. Ça veut dire qu'on a 20-25 ans, 26 ans, on est déjà extra-scolaire. On a un baccalauréat déjà. Ça veut dire la spécialisation. Avant, les mauvais choix, on peut les avoir à un pourcentage clair. Vous allez donner un exemple, les clubs qui se respectent, qui ont des écoles de jeunes, c'est-à-dire les grands clubs sont donnés de nom, et qui commencent avec un X élève en tant qu'élève l'école de le club. En fin de compte, on retrouve X sur, je sais pas, sur 100, on va aller au club. Ça veut dire la déperdition, les déchets, l'équipement, la sportivisation. Question philosophique qui se pose, est-ce qu'on a le droit de la transmettre à l'école? Ou là faut-il, si Aziz, parler, au lieu de parler de spécialisation, on peut parler d'une EPS à option. C'est-à-dire c'est un choix. Mais si il a besoin de dire la spécialisation, ça veut dire que l'élève, à la fin de la quatrième année, ou le tronc commun qui m'a dit, la spécialisation, c'est 3 ans moins une année, c'est-à-dire la fin de la tronc commun, on doit lui suivre des tests spécifique certaines activités, on va lui dire que votre profil, d'après les résultats des tests, vous pouvez faire spécialisation dans telle ou telle activité. Mais malheureusement, et je suis sûr et certain qu'on trouverait des élèves qui ne peuvent faire spécialisation en aucune activité. La majorité sur 40 élèves, on peut dire 10 sur 40, ils peuvent faire un sport, mais c'est une spécialisation, ils peuvent faire un sport, mais les autres, ils sont là pour d'autres objectifs qui sont assignés eux aussi à l'éducation physique. Ma troisième question, ça va être ma dernière pour Beshman Mantawos Hadra. On peut toujours revenir vers vous, il n'y a pas de problème. ما دير كيسيون هو ان التصور ديال السي عزيز اللي هو تصور نظري صحيح وانا اتفق معاه 100% خاصو نخدموا اونصومبل اون بو فير بوكو دو شوز لا كيسيون كي فا سوبوزي هي واش هاد لورغانيزاسيون ديال لونسينمون دو بي اس ديال لينيسياسيون ديال لونترينمون ديال ديكوفيرت انيسياسيون اونترينمون ابروندر اونتريني وعاد غادي ندخل ان اكتيفيتي كو اللي غادي ندوز فيها بزاف د الوقت واش ممكن انها تطبق في ظل حصتين ديال التربيه البدنيه فور لانستون سا دير لو كونتكست اكطوال اللي كاين راه هو جوج سويعات ديال التربيه البدنيه وثلاثه بلوس بارفوا ما كايناش بلوس اخرى بارفوا زيرو ديال لايسنس سا في دير ولا فوتيل ريفوار هاد لو موديل هذا افيك il faut renouveler ولا il faut exiger d'autres conditions pour arriver les objectifs assignés لهاد l'organisation و je remercie si Aziz je remercie aussi ce qui me fait plaisir هي la présence العدد ديال الاخوه اللي حاضرين وكما قال السي عزيز قبيله قال انا غادي ندير العرض ديالي ولكن افو دو شوازير صدير سي اون كاستيون فيلوزوفي il faut chercher à droite et à gauche يكون عندك قناعات يكون عندك واقع يكون عندك ان تيكست اوفيسيال كي توبليج بارفوا مالغري توا اكسيتيرا 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 دونك l'ouverture ديال هاد لا كاستيون ميرسي سي عزيز بور ما فير بارفونير و بور كريي هاد لو ديبا هذا ميرسي ا تول موند ميرسي شكرا لكم وخليتيك وي افيك بليزير سي عزيز يجب ان
أسئلة سراف. D'accord. Sur la question, tout d'abord, je vous remercie, Sheikh Chourafi, et je vous félicite pour les efforts que vous faites pour améliorer et développer le sport scolaire et l'éducation physique, soit en tant qu'intervenant au niveau de l'inspectorat ou au niveau de la direction de promotion. Ça fait plaisir de voir des responsables participer à des débats comme ça pour faire améliorer la pensée. Comme vous avez dit, bien dit, ça c'est une philosophie, c'est une façon de voir. Donc ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un petit peu c'est du scientifique, c'est un peu du vécu, c'est un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Juste, il faut une petite adaptation. Et là, je trouve vos questions, elles sont bien fondées pour aller vers l'avant. Je vais essayer de vous répondre. Là, sur la détection, déjà, je vous annonce scientifiquement ce qui se fait à l'extérieur. La détection, on a trois niveaux. Détection 1 des 5 à 8, ce qu'on a déjà au niveau du primaire, 5 à 8. La deuxième, c'est une détection intermédiaire de 10 à 12 qu'on peut récupérer au collège. Et la dernière et la finale détection, c'est-à-dire on se dit que cet élève-là, garçon ou fille, il est apte pour être un sportif de haut niveau, c'est de 16 à 12 ans. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai confirmé qu'à partir de 12 ans, on peut aller vers la professionnalisation. Donc, on a trois âges. Ça, c'est scientifique, avec des mesures, des calculs, tout ce que vous voulez. Donc là, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Donc là, si on est dans cette option-là, déjà, on va commencer à faire ça. Je reviens un petit peu sur la spécialisation. Et je ne voulais pas tout dire au départ pour un petit peu lancer au fur et à mesure des débats. Mon concept de spécialisation, ce n'est pas spécialiser tout le monde qui passe par l'école. C'est impossible. C'est carrément impossible. Et dire que c'est utopique. L'idée, c'est que lorsqu'il y a une détection à l'âge de 16 ans, on va avoir deux parcours. On va avoir un parcours excellence, c'est-à-dire les bons élèves, et on les connaît majoritairement, ce sont des joueurs qui jouent dans les clubs. Ils ont un vécu, ils ont envie d'aller plus loin, et ça va être d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, on va les perfectionner, on va les aider à aller vers l'avant. Et ce que je ne veux pas un petit peu évoquer, parce que ça va faire l'objet d'une autre intervention la semaine prochaine, c'est dans l'universitaire. Il y a une part de l'universitaire, ce que je ne viens pas de citer maintenant. Il y a l'autre part du travail, c'est le système universitaire, qui est la base du sport américain. Les États-Unis sont une industrie de sport parce que l'université est une base de perfectionnement de joueurs. C'est-à-dire, sur le lycée, à partir de la première année bac, on va avoir deux parcours. Le parcours normal, où on va avoir les élèves qui vont faire les activités ouvertes, on ne va pas les obliger, et un parcours spécialisé qu'on va appeler un parcours excellence, on va prendre les élèves qui sont doués, qui ont un niveau respectable dans le sport, et à qui on va leur confier des professeurs qui sont spécialisés, sachant bien, et vous le savez comme moi, à l'extérieur, on est à 75%, 80% des enseignants d'éducation physique qui exercent comme entraîneurs, arbitres, statisticiens, arbitres de touche, joueurs et tout. Donc là, la base, les ressources humaines sont là. On peut les exploiter. C'est pourquoi j'ai dit vers la fin, il faut les motiver, il faut les encourager. Là, on va avoir deux parcours. Mais à la base, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez évoqué un chiffre qui est très important au collège. Dans ma démonstration, j'ai dit au collège, là, le sport scolaire, ça va être un complément de l'éducation physique. C'est-à-dire, on va faire plus le complément de la formation initiale, c'est-à-dire la formation spécifique. Et là, le sport scolaire, il va aider. Et on va faire moins de compétition. C'est-à-dire, au lieu de se fatiguer et aller du régional vers le national, je préfère qu'on fait des championnats au niveau régional, mais jouer un maximum de matchs en série de aller-retour pour avoir plus que deux matchs là où il n'y a pas vraiment l'idée de compétition. Lorsqu'on fait rentrer des jeunes pour la compétition à des bas âges, tout le monde veut gagner parce que l'émotion l'emporte sur l'apprentissage et tout le monde est stressé. Le professeur, il veut gagner. L'élève, il a peur de l'enseignant parce qu'il doit gagner. Et on rate la formation. Donc, moi, je préfère qu'on fasse des championnats
au niveau régional et on joue en aller-retour, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'on passe dans la phase de lycée, on aille directement vers la compétition proprement dite, vers le championnat du régional vers le national. Et là, ça va être des championnats parallèles dans la semaine, parce que vous avez parlé d'horaires qui va permettre le développement. On va travailler dans les heures d'éducation physique, on va compléter avec les heures de l'ISS, et le samedi après-midi, comme tout le monde, on va faire des matchs de sport scolaire. Tout le monde joue, et on est dans la compétition. Tu vas me dire, mais monsieur, là, ces gens-là, ils travaillent l'éducation physique, ils font du sport scolaire, et ils vont, on va les motiver. On va prendre ça comme c'est des heures sup, de l'extra, qui vont être payées sur ça. Et au lieu que ces élèves-là, ils sont bouffés par le sport civil, ils sont là à la maison, dans leur établissement scolaire, par leurs professeurs qui sont par hasard quelque part dans des clubs, et on est en train de développer notre produit chez nous. J'espère que j'ai répondu sur votre deuxième point, et je complète un petit peu. Et sur le parcours excellence, on filtre déjà la formule sport-études qu'on a eu l'occasion de discuter longuement, moi et toi, sur les réseaux sociaux. La sport-études, on peut le faire à partir du lycée parce qu'on ne va pas être dans le doute tout simplement parce qu'on a raté la première enfance. On n'est pas très sûr sur le collège que le gars, il peut faire. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le physique, il y a le technique, il y a encore le psychologique et l'affectif. Est-ce que ce gars-là, il est capable d'être dans un internat toute la semaine, loin de ses enfants, ses parents, il va suivre cet entraînement de 2 fois par jour, plus scolaire et ainsi de suite. J'espère que j'ai fait le tour. J'ai parlé des horaires d'apprentissage par rapport à l'ISS. Et si vous êtes toujours sur votre faim, je suis toujours là pour répondre. Il n'y a pas de problème. Maintenant ou par la suite, vous êtes toujours le bienvenu. شكرا لكم أستاذي المقتدر. نعطيه الكلمة للأستاذ السي الحسني فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السي الأنصاري، شكرا أستاذ عزيز على هذه المبادرة ديالكم وهذا الموضوع الشيق في الحقيقة. ومن جهة أخرى كنشكر السي الشرفي لأنها في الحقيقة زول لي سؤال كنت مركز عليه وجاوب على مجموعة ديال النقاط الأستاذ عزيز من خلال الموضوع اللي تطرح اللي هو نحو فلسفة تدريس ديال مادة التربية البدنية وإعناء الرياضة المدرسية. أنا كانت عندي واحد التساؤل حول المسألة ديال فلسفة، يعني في حد ذاتها فلسفة تدريس التربية البدنية، يعني حب تدريس هذه المادة ديال التربية البدنية، بمعنى ان الاطار اللي غادي يدرس هذه يكون اولا عنده واحد الكفاءه وعنده واحد الحب ديال هذيك الماده باش يمكن يتبع المراحل ديال النمو ديال التلميذ من المرحله ديال الصغر ديالو حتى الاستاذ جاوبنا بالفعل المرحلتين اللي هما ما عندهاش فيهم التربيه البدنيه. هذا هو كنعاود ناكد على كنشكر السي الشرف اللي نشر لها هي هذيك السنوات ديال 8 10 حتى 10 12 ما عندناش التربية المدنية في المؤسسات الابتدائية، يعني بالمفهوم ديالها. إلا أن حيت كنشوفوا النقطة اللي كنت غادي نركز عليها هي في ظل الحصتين ديال التربية المدنية، وذكرنا الاستمرارية ديال التربية المدنية للرياضة. هنا كنهضروا على التربية المدنية حسب الظروف الاجتماعية والموقعية ديال التلميذ اللي كيتوجد فيها. يعني التربية البدنية في المدن اللي هي في الأطلس مثلا ماشي هي في الجهة ديال درعا تافيلة. يمكن نقول بأن في الجهة ديال درعا تافيلة تكون حصص التربية البدنية أكثر، لان قليل فاش كتكون عندك لو كليما اللي يعني ديك الشتاء ولا شيء من هذا القبيل. حنا السؤال اللي غير تكملي ولان هذا الشيء راه جاوبنا عليه، ولكن ملي كنت خديت باغي ناخذ الكلمه راه ما عطل راسي الشرف سمحني قال هذه المساله هذه هو بالنسبه للتربيه البدنيه، واش بالاضافه الى ان التلميذ القدرات الفكريه والعقليه والجسميه للتلميذ كنقول الاستاذ واش يمكن نحسبوها حتى هي
مادة روحية وعلاجية وسياحية بالنسبة لهذاك التلميذ. هذا السؤال ديالي يفضل تحت لواء الرياضة المدرسية وشكرا. شكرا سي عزيز. شكرا سي الحسني. الكلمة للسي عزيز فليتفضل. مرحبا. Donc, je vais essayer de répondre. On a oublié je suis à l'arabie ou le français parce que le malumet de Sarah c'est le plus fort possible. Fashkan, tu as la roya, une philosophie de voir les choses. Quand tu as un professeur qui veut travailler, ne veut pas travailler, est-ce qu'il aime, il n'aime pas. Donc, le moment où il est dans un établissement, l'amour, c'est un supplément parce que là, il est pour travailler. Donc, même que l'on a dit développer chez Haja, on ne t'a pas dit développer. Tu n'as pas l'envie. L'envie, elle est très, très importante. Donc, même que l'on dit, il y a un tabari tout seul un objectif. Parce que qui a tout seul l'objectif, alors c'est une affirmation de soi d'hier qu'on a déjà. Parce que l'on a dit, ou d'être chez Haja, ou slot de la mid dialogue, ou d'être une jazz, ou t'allem une technique, ou. حليتي له مشكل نفسي او كان عنده واحد المشكل اجتماعي وانت جبتي عندك وربحتي المجتمع ما غيخرجش واحد ان فاغابور ربحتي واحد المواطن صالح دونك ديجا الحب نتاع داكشي اللي كديرو خاصو يكون انا شخصيا كنشوفها سي امبيراتيف ما فيش واش غادي تحب ولا ما تحبش tu dois aimer parce que à la base انت اختاريتي هذا لو ميتي tu as choisi ce métier pour le faire دونك هذه النقطه انا بالنسبه ليا هي من المسلمات سي دي ليفيدونس سوغ السؤال ديالك الثاني السياحه كنظن بان جميع الفرق اللي كتمشي تلعب بطولات مدرسيه راه ما كيبقاوش التلاميذ محبوسين في لوطيل او في مدرسه او في سونتر داكوي راه ولا بدا راه كيخرجوا يفون لا فيزيت للمدينه كيشوفوا المآثر ديك المدينه كيتلاقاو مع ناس اخرين من ثقافات اخرين جهات اخرين كيكون واحد كيكون داك لو براساج كولتوريل كيكون داك التداخل الثقافي وهذه بين الاهداف ديال الرياضه راه سي بارتو ميم في لو سبور سيفيل لي زيكيب فاش كيسافروا كاين دي جوار يمكن ما كيشوفوش مناطق اخرى بالنسبه لهم لو سبور سي تا مويان باش يشوفوا ديك يشوفوا ناس اخرى الطريقه ديالهم الى لاحظتي واحد الظاهره اللي هي مهمه في المنافسات العالميه دون لي كومبيتيسيون انترناسيونال راه كتلقى توجور في بلاصينا موني دوفيرتور كتلقى التقاليد ديال الدوله المعينه مثلا الى جيتي للمغرب كتلقى كنديروا الرقصات الشعبيه علاش باش الناس كنعرفوا المغرب من خلال الثقافه ديالو او الى مشيتي لدول اخرى مثلا الى لاحظتي كاس العالم اللي كانت في لاشين راك شفتي لو دراغون راك شفتي بوكو شوز دونك الرياضه كانت ديما ان فيكتور داكولتوراسيون باش الناس كتكتشف ثقافات اخرى كتنفتح على الاخر دونك ولما لا الرياضه والرياضه كانت بعض اللحظات قربت شعوب اكثر من اللي دارت السياسه او الدبلوماسيه علاش لان كيكون داك التقارب كيكون الاحتكاك في اطار الاحترام الاخر في اطار احترام القوانين الرياضيه دونك انا كنشوف بان لو سبور سكولير كيعاون التلميذ باش يتفتح على ثقافه الاخر باش يعرف البلاد ديالو اكثر فاش كيسافر كنشوفوا بعض المرات تلاميذ من بعض المناطق بعيده جاي مرزازات او جاي قلميم او جاي فيكيك وجده وكيدخل حتى هو يشوف الرباط كيشوف الدار البيضاء يشوف مكناس يشوف فاس يشوف مراكز اللي بالنسبه ليه هادو مودو اللي يمكن كيشوفهم في التلفازه ولا كان كيسمع عليهم مي دابا كيشوفهم مي غراس اكوا غراس سبور سكولير دونك ليبانويسمون اي لوفيرتور دو ليسبري راه داخله في اطار لو سبور سكولير اي لو سبور دون مانيير جينيرال شكرا استاذ شكرا جزيلا نمر الكلمه للاستاذ زهر مديريه الرشيديه السلام عليكم السلام ورحمه الله الو السير انصاري كتسمعوا الصوت وي استاذ المسير كتسمعوا الصوت وي تنسمعوا الصوت استاذي السلام عليكم وتحية للجميع وتحية للأخ عزيز قرواش على المداخلة القيمة ديالو المداخلة ديالو كما قال الإخوان من قبل
فلسفة ديال الأخ عزيز بناء على نظريات علمية. أنا مع النظريات العلمية، لكن مع الفلسفة عندي مجموعة ديال لي رومارك. الفلسفة ديال الكوليغ عزيز، ليطا دو ليو ديال المغرب فيها مجموعة ديال لي بوان غادي نسيتيهم. غياب لو بيس في الابتدائي فلونسينيومون فوندامون، لاج دونطري الكوليج هو لا دوزيام اونفون. أنا على سو كي سيونتيفيك اللي جا به الاخ عزيز، كاينين بطولات وطنيه ابتداء من الاعدادي حاليا في المغرب حتى الثانوي، بل كاينه كرياسيون ديال لي سونتر سبورتيف دابا ديال الابتدائي 5ام 6ام ديال الابتدائي، وتخصيص لهم بطوله وطنيه خاصه بهم، الهاندبول اسات بالنسبه لي غارسون، ولو باسكتبول 3 كونتر 3 بالنسبه لي في. غادي نرجعوا لهاد 3 كونتر 3. الشبان كانوا كيلعبوا لا كومبيتيسيون كلها، ومن ولا جيت ليميتاو لو نيفو اكاديميك. بالنسبه للاستاذ عزيز اقترحتو انا هاد لي طادوليو كاينه بور ادابتي لي باس سيونتيفيك لي جيتو بها. قلتي دو كلي، الاولى اون ميليو غادي نديرو لينيسياسيون في البروميير اني دو كوليج بور راترابي لا بروميير انفونس لي ما كانش فيها لو سبور، اي بوي اون انشين في لا فورماسيون سبيسياليزاسيون ايتترا في لي كومبيتيسيون سكولير. Vous avez évoqué de se limiter au niveau académique en compétition d'aller pour augmenter le nombre de compétitions. Pour moi, il y a un tanaqud. Alash à la compétition kayna ou une année ma mrat kfi bach ndiou. Une goulti la première enfant sera via 4 âges voire 5. Donc à mon propos, je me ketchouch maya. Un medkhel هو أننا أولاً جينيراليزي لو بيس سور لونسينمون فوندامونتال، كاينة بداية ديال لي سونتر سبورتيف باش نخرجوا من هذا الإشكال، وهاد لي باس سيونتيفيك يكونوا غاليين مع هادشي اللي كيتقترح اللي كيقترحوه المشرع، ويكونوا غاديين مع هاد لي باس سيونتيفيك. كنشوف أنا نجينيراليزيو لو بيس سور لونسينمون فوندامونتال نجتحدو هنا. Ou revoir les façons des compétitions scolaires. Elles, les ANA, le civil, je mets les disciplines qu'il y a une championne des jeunes. Quand je mets les bébés basket, mais ça n'a pas le basket, ça s'ignore. Ou qu'il y a le hand, ou le volet, ou le basket, ou etc. Après l'athlétisme, qu'il y a les compétitions des jeunes. Donc, à revoir les façons de compétitions scolaires. ونكالكيهم على لي شامبيونات دي جون ديال السيفيل. استاذي الوقت الله يجزيك بخير. من هنا كنقول انا هذا مقترح ديالي، واش ما كيشوفش معايا الاخ عزيز اننا هذا المقترح كيفاش كيشوفوه؟ تحيه للاخوان. شكرا جزيلا استاذ زهر، لك الكلمه السي عزيز فلتفضل مشكوره. شكرا السي زهر على لا كيستيون. كنظن بان في اولا قبل كل شيء انا راه استاذ التربيه البدنيه بروفيسور ديكاسيو فيزيكا قبل ما نكون استاذ مكون، وخدمت جو كوني تري تري بيان لو تيغان، كنعرفو تري تري بيان. لا بروف انا كنت في واحد لا كوميسيون اللي خدمات على ليدوكاسيون فيزيك لو بريمير، خدينا دي تيست و انا في دي بيلون مي اون اتون توجور. بون انا متفق معك في واحد النقطه، ولا لاحظتي حتى في لو شيما ديالي درت بان لابسونس ديال لو بي اس او نيفو ديال البريمير ديال سانكسيون لابرونتيساج. وكنظن السي الشرافي فاش طرح السؤال ديالو قلت له بان كاينه اون بريمير بارتي ديال لا ديتيكسيون اللي كنراطيو حنا في لو 5-8. دونك هذه امور واضحه بالنسبه ليا وبالنسبه ليك وبالنسبه للواقع ديال الممارسه ديال التربيه البدنيه. Le PS en primaire, c'est une priorité. Ça se trouve qu'on l'éducation physique au niveau du primaire. Ça, c'est impératif. Et je suis optimiste pour le travail les qui ont fait d'abord stimuler le staff dialogue
pour pouvoir mettre en place de l'éducation physique au niveau du primaire et également le développement du sport scolaire. Sur le sport scolaire au niveau du collège, moi j'ai dit on va faire plus de formation, moins de compétition. C'est-à-dire, au lieu de faire un an, le régional académique national, je préfère de jouer plus, ça va me permettre de se corriger plus, de savoir les adversaires et de m'adapter plus, au lieu qu'à chaque fois, mais à d'autres niveaux, et je casse mon niveau de formation. Le niveau des joueurs, pourquoi? Parce qu'il y a des villes où il y a trop de clubs. Je te donne un exemple, Casablanca. Tu as trop d'équipes de volley, de basket, de hand, d'athlétisme, ainsi de suite. Il y a d'autres régions qui ont très peu de clubs. Même si on a dans la compétition, dans la phase de formation de collège, un patelin qui est trop loin, où il y a peu de pratiques sportives, on dit on carno. Non, je préfère, non. Je laisse qu'ils se développent, ils se forment. L'éducation physique, ou il est en train de jouer, de se développer. Lorsqu'il y a la formation du sportif, je le lance au niveau de lycée à plus de compétitions. Mais qu'il n'y a pas qu'il y ait régional, qu'il y ait régional, l'académique ou le chef national. Oui, au niveau du lycée, on peut aligner les équipes scolaires sur les équipes civiles de jeunes. Il y a des gens qui ont été dans le sens de comparaison. Il y a des gens qui ont été parce qu'après 16 ans, Rassanine a la formation technique. On est dans la spécialisation. La spécialisation, elle commence à partir de 16 ans et pas moins. Donc, fais un arrêt de la spécialisation. Le jeu posté. Donc, il peut jouer la compétition. Il peut se confronter le milieu civil. Il va gagner en expérience. Et moi, je vais gagner dans l'apprentissage. Pardon, il y a un bruit. Et moi, je peux gagner dans l'apprentissage technico-tactique. Mais avant, dans la phase collège, parce que une année, il y a l'initiation un petit peu appuyée, accélérée, je suis obligé de rentrer le collège et une année de lycée pour être sur la formation complète. Autre chose, ça, c'est un projet qui n'est pas uniquement limité au niveau de l'éducation physique. Qui a nous les partenariats à la jeunesse et sport. Comment? Avec les terrains, avec le staff de la jeunesse et sport, sachant bien que un an, je fournis le sport civil, je fournis 75 à 80% de cadres, les firmes des arbitres, des entraîneurs, des statisticiens, des préparateurs physiques, tout ce que vous voulez. Donc, on peut toujours développer entre les deux parties dans une collaboration de gagnant-gagnant. Un an, je te donne les cadres, tu me donnes aussi tes cadres de la jeunesse et sport avec les terrains et on développe ensemble. Je reviens un petit peu en City Zahar, le 3 contre 3 au collège. Le 3 contre 3 au collège, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que la composante physique, elle est trop intense. En termes de volume de jeu et l'intensité par rapport le joueur et surtout les filles, c'est trop, trop fort. Et c'est très dur. Du moins qu'on limite le temps du jeu. Au lieu de chiller, un temps de jeu qui pire qu'un saut avec des temps de récupération pour éviter encore des répercussions sur le côté physiologique. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Sinon, vous avez montré mon mail, vous pouvez toujours m'envoyer et je vous réponds, il n'y a pas de problème. Donc, Oussad Mouksadir, il kalima le Sir Rachid Vachabilla. Marhaban. Rachid. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. تسمعني مزيان؟ وي تنسمعوك. سي رشيد تنسمعوك. تسمعوني أستاذ؟ وي تنسمعوك. مزيان، خير يا سي رشيد. تفضل. إذن قلت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية كنشكروا الزملاء في منتدى أساتذة التربية البدنية والرياضية على المجهودات اللي كيقوموا بها. شكرا للاستاذ المقتدر سي عزيز قرواش على المداخله ديالو القيمه. شكرا لك. كتبحث الحقيقه يعني واحد القيمه فكريه وعلميه مهمه وانتاج مهم، الا انه انا كنظن كتصور خاص بالماده خص يكون مبني على واحد المجموعه ديال التوافقات بين واحد المجموعه ديال الفاعلين.
غير باش نرجع فقط لمادة التربية البدنية، فهذا المادة مسكينة ينغيف با سامبوزي على مر التاريخ، لأنه كتبقى بين أنها بغت تلبي الحاجيات ديال داك لو كورون هيومانيست وديمقراطيك اللي خصو يعطي الحق لكل شيء تلامد، وخصو كل واحد يلقى الضالة ديالو فيها وتلبي جميع الرغبات اللي بارون لي زاتون ديال لي زيليف الى اخره، وفي نفس الوقت تجاوب على هذاك لو كورون سبورتيف اللي كنلاحظوا بانه اصابع الاتهام كتجه ليها كل ما كان شي اخفاق في الرياضه الوطنيه. هذا يعني مشكل كبير. دونك هنا كنقول بانه خص اكيد اننا تكون عندنا واحد الفلسفه اللي مبنيه على اساس واحد لو ديبا اللي يكونوا فيه الفاعلين البيداغوجيين، الفاعلين الرياضيين، والفاعلين السياسيين ايضا، لانه المشاكل اللي كنعيشوها ايضا في التربيه البدنيه وفي المكون ديالها الاساسي ديال الرياضه المدرسيه، فهو ما مرتبطش فقط غير بهذاك الاستاذ اللي كنوجه ليه اصابع الاتهام، مرتبط ايضا بواحد المجموعه ديال الظروف ديال العمل اللي كتكون مرتبطه بالتسيير الاداري، بالسياسه التربويه على العموم اللي لاحظنا بانه يعني كتجتهد باش تعطي حق لكل ما هو تربوي محض، رغم انه الرياضه المدرسيه ايضا تربويه، ولكن كل ما هو مرتبط بالتحصيل الدراسي والفصل على حساب الساعات ديال النشاط الرياضي. ف دونك هاد الامور هذه خصها يعني واحد لو ديبا ناسيونال ياك، والافكار ولي كونسيبسيون طبعا انهم خصهم يكونوا واردين بحال لا كونسيبسيون ديال السعاده، ولكن خص اكيد انها تعم وتاخذ بعين الاعتبار جميع لي كونترانت اللي كيطرحوا لينا. التوجيهات التربويه ملي كنشوفوا التغيير ديالهم، حنا رجعنا من التوجيهات التربويه اللي عرفوا المغرب من 64، ف كيتغيروا، كاينه هذيك يعني داك التغيير اللي كيتغير وفق السياق اللي كنعيشوه كسياق يعني سياسي وكسياق تربوي، ولكن ما كيواكبوش تغييرات على مستوى لي براتيك. فالاستاذ كيبقى ديما كيبراتيك يعني لا براتيك اونسينيونت ديالو ما كتغيرش بزاف، ما كي يعني ما كيوصلهاش داك لامباك ديال لو تيكست. وفي لي سونتر دو فورماسيون لا ميم شوز، حنا دابا الا خدينا غير لي زونوتاسيون بيداغوجيك ديال 2007 وديال 2009، فكنلقاو بانه في لي سونتر دو فورماسيون سوا في لي ان اس سوا في لي سي بي ار ما كانش هذاك لو شونجمون راديكال على مستوى لي تيكست. وكنشوفوها من لي لوريال اللي كيجيو مثلا وكيدوزوا لي كونكور داكسي مثلا ديال لي زونسيون دو بي اس، كتلقى بانه يعني بعيد على انه يكون ملم بهذوك لي زابيسي ديال التوجيهات التربويه اللي هما خصو يكون المفروض فيهم عارفهم وضبطهم وهضمهم. هذا ايضا سي ان غون بروبليم. دونك كومون كونسيلي اونت هذوك لا فورماسيون دي كادر، رغم انه مؤخرا عندنا ان سيلابيس دو فورماسيون من 2012، كاين ان سيلابيس دو فورماسيون اللي فعلا هو كامل ومتكامل وشامل، ولكن عاوتاني كيفاش كيتلقن في جميع لي سونتر. حنا كنعرفوا بان كاين تفاوتات كبيره بين لي سونتر عاوتاني في هذا المجال، داكوغ، وكيبقى الاجتهاد ديال الفروق التربويه اللي كتشتغل في هذا السيغاميك عاوتاني، وما غنقولوش لا كومبيتونس ديالهم تبارك الله كلهم سو سون دي كومبيتون، ولكن هذيك لا ميز اون اوف ديال دوك لو كونتوني وهذاك سليح ديال الاساتذه ديال الفيتور وهذاك لو كونتوني فيه ان بروبليم، كاين ان فري بروبليم. دونك انا كنقول بانه لو ديبا دو ديت ان ديبا ناسيونال باش نعرفوا اشنو بغينا من لو بي اس افيكتيفمون، باش ما نحملوهاش اكثر من طاقتها، نعرفوا اشنو بغينا من لو بي اس وداكشي اللي بغينا منها نوجدوا ليها لي مويان بوغ لو رياليزي وبوغ لو فير دافور، كو سوسوا سور لو بلان براتيك كو سوسوا سور لو بلان ديال لو سبور سكولير. بالنسبه للسبوريتود انا كنظن عاوتاني بان هذا ان نوفو كونسيبت اللي دخلنا عليه، خصنا نقوموا هاد التجربه ديال طنجه وديال كازا اللي عاشوها الزملاء في هذه السنه الاولى، داكوغ، وراه بان لي بانه ديجا كاين ان غون با في هذا المجال هذا، ولي 5 سونتر اللي غيتخلقوا في هذا 2020 2021 نتمنى انهم يكونوا استفدوا من السوكيا يطي غطي في هذا لي دو لونسمون ديال لي دو بروميير سونتر، على اساس انه ملي بداو لو لونسمون ديال لي سونتر سور لو بلون ديال شاك ديليغاسيون ناسيونال ولا شاك ديريكسيون بروفانسيال يكون يعني تجاوزنا واحد المجموعه ديال الاخطاء واحد المجموعه ديال لي زيرور. غير سافوار كو راه لا ريوسيت ديال لو سبور ايتود سو ني با لا ريوسيت ديال مينيستير دو ليديكاسيون ناسيونال، سي لا ريوسيت ديال لي فيديراسيون رويال ماروكان ديال لي سبور، لانه خص الانخراط ديالهم الفعلي
في جميع الخطوات وانخراط يكون يعني بالفعل ماشي غير بالقول ولكن انخراط فعلي. ونتمنى ان شاء الله انه الماده ديالنا تعرف واحد الانطلاقه جديده مع هذا نوفيل ديناميك. وشكرا مره اخرى للزملاء وشكرا للسي عزيز على المداخله ديالك. شكرا السيد المفتش المقتدر سي رشيد، لك الكلمه سي عزيز فهي تفضل. مشكور سي رشيد، تحياتي على التدخل ديالك. غنحاول نجاوبك بوم غنحاول نجاوبك بك بلوس دو ديتاي. La philosophie de l'enseignement EPS et sport scolaire, c'est une façon de voir. Je l'ai dit, c'est une façon de voir. Ou j'ai bien dit, c'est à vous de juger vers la fin. Alors, je vois les choses comme ça. On peut les faire de cette façon-là. Mais ce qui est très, très important, c'est que l'EPS, Bouhda, elle ne peut pas faire réussir ça. On doit avoir impérativement l'aide du ministère de la Jeunesse et Sport en termes des installations et en termes des ressources humaines. Donc ça, c'est deux. Tawafoukat, oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Lorsque il y a un débat de la sorte et il y a l'idée qui commence à tourner dans la société, les décideurs, ils sont là, ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il y a. Donc automatiquement, on commence à réfléchir sérieusement. On commence à se réunir. Et l'idée, elle monte vers les hautes instances qui va l'adopter sur des projets, sur des lois et ainsi de suite. Et on peut dire, c'est toujours, il y a dans la nouveauté, on essaie d'adopter, on essaie de cadrer pour avoir des textes et ainsi de suite. Ça c'est connu. Donc lorsque tous les partenaires, ils partagent le même souci, ils sont sur la même idée, et les gens à l'extérieur, ils disent, on écrit sur la même page et on lit la même page. Donc à ce moment-là, pour les opérationnaliser, donc pour dire que l'EPS et l'enseignement et l'éducation nationale à elles seules peuvent faire ça, c'est très très compliqué. Il faut l'aide du ministère de la Jeunesse et Sport, et derrière encore, il faut tout un projet d'État pour pouvoir développer cette façon de voir. Sport-études, je reviens à sport-études et ça c'est très important. Sport-études, il réussit à l'extérieur parce qu'il y a une condition qui est très importante. Il faut avoir un bon testing des élèves pour pouvoir dire que ça, ils peuvent être des bons athlètes. Et déjà, comme j'ai dit, on a raté une première période de test qui est de 5 à 8. On peut être sur une première qui est de 10 à 12 et qui est dans les pays développés. C'est la deuxième période du testing. Et on rentre sur une dernière période pour s'assurer qu'on a fait le bon choix à 16 ans. Donc, lorsqu'on prend ces gens-là, impérativement, ce n'est pas le sport-études classique. Non, ce sont des gens qui sont regroupés tous dans un centre de formation où on va leur déléguer, et là c'est l'importance des partenariats, on va leur déléguer des entraîneurs spécifiques selon les disciplines, des professeurs qui sont toujours là pour les enseigner, pour leur apporter du soutien et du support pédagogique pour les élèves qui sont dans le besoin. Et toujours, il y a des commissions de suivi parallèles entre le ministère de la Jeunesse et Sport et le ministère de l'Éducation nationale d'une manière périodique pour savoir est-ce que ces élèves-là, ils sont sur la réussite scolaire et la réussite sportive. Qu'est-ce qu'on peut faire s'ils sont uniquement sur une seule réussite? Et encore, quelles sont les alternatives si ces élèves-là, ils échouent dans le parcours? Par exemple, je te donne la plus simple du monde, un élève qui se blesse, une blessure qui ne lui permet pas de continuer son parcours dans le sport scolaire. Est-ce qu'il y a des cheminements où on peut le mettre pour qu'il poursuive sa vie normale? C'est-à-dire, il est sur l'option sport-études, il s'est blessé, ça peut arriver, ça c'est une monnaie courante dans le sport. Qu'est-ce qu'il va faire après? On a les parcours au niveau universitaire, et je ne vais pas piétiner sur mon intervention de la semaine prochaine. Les parcours en termes de faire la kinésithérapie, les STAPS pour être des entraîneurs, pour être des professeurs d'éducation physique et ainsi de suite. Sport-études ne se limite pas à la sélection entraînement. C'est tout un projet, c'est toute une vision depuis l'input,
jusqu'à l'output fash gaykhrojni lana un athlète. Et encore dans les pays développés, kanhadro daba un autre langage, en fin de carrière, fash kayseri, c'est là la carrière du professionnel, il n'a pas de métier, il n'a pas de revenu. Quels sont les métiers ou quelles sont les formations qu'on peut lui faire en fin de carrière pour qu'il puisse accéder sur des formations et avoir un boulot pour assurer ces fins de mois. J'espère, c'est Rachid, que j'ai répondu à vos questions. Et si vous avez d'autres préoccupations, je suis toujours là pour répondre. Shukran lakoum, Oustadi. Namour l'kalimal, si Walid. Salam alaikum. هي رياضية جميع الإخوان والي من نضال donc je remercie monsieur Aziz pour cette intervention très pertinente donc pour nos autres enseignants de PS donc je vais parler d'une compétence aussi importante dans la vie des jeunes donc sur le terrain et d'après des statistiques du ministère de la Santé ou des statistiques du dernier rapport de monsieur Halimi. La situation de la santé des jeunes au Maroc est préoccupante. Donc, ceci dit, le problème est difficile à résoudre, étant donné la diversité des facteurs externes, médias, pub, pair, qui influencent le choix des conduites relativement à la santé des jeunes. Donc, quand on évoque les mots éducation physique, santé, donc ce sont peut-être des vocables qui définissent la même réalité. Ce qui veut dire que... Historiquement, c'est le milieu familial qui demeure le premier lieu d'influence pour s'approprier les bonnes habitudes de vie. Donc, l'école est souvent reconnue comme ayant une responsabilité importante. Donc, à cet effet, ma question est la présente. Donc, d'après toi, M. Aziz, est-il venu le temps ou le contexte où un module de santé s'implante d'une manière pleine et régulière dans la progression des apprentissages au sein de l'enseignement d'éducation physique et sportive. Donc déjà aujourd'hui, dans ce contexte pandémique, on constate combien nos jeunes avaient de la misère à manifester des bonnes habitudes de vie chez eux, c'est-à-dire exercice, sommeil, alimentation, gestion de stress, ou même utilisation des médias électroniques. Donc est-ce que si on réinvente ce rôle manqué, par rapport à l'enseignant d'éducation physique et sportive, pourrait appuyer ce regard ou cette nouvelle philosophie de la pratique de l'éducation physique et sportive dans son sens le plus large et le plus étroit. Et merci. Shukran, si Walid, à la moudakhala, si Aziz, la kalima. Si Walim, je vous remercie pour la question. C'est très important, c'est très intéressant comme question. Moi, je dirais que la pratique du sport doit devenir une habitude. C'est un quotidien, l'envie de bouger. Pourquoi? Parce que dans une société où il y a trop de maladies cardiovasculaires, où on vit dans un stress infernal, toujours limiter cette demi-heure pour marcher, courir, jouer, c'est très, très important. Ça, d'une manière générale. Je reviens un petit peu à l'éducation physique. Les statistiques sont très claires. 8 à 12 entre élèves sédentaires et élèves qui font de la pratique, 6% de taille, 4% de force, 8% en termes de développement du cerveau. Donc, ça, ce sont des statistiques scientifiques, testées et mesurées. Donc, le sport et l'activité physique doit être un impératif dans la vie de toute famille parce que c'est très, très important. Et pire encore, les études scientifiques, ils ont montré que les gens qui vivent trop, ce sont des gens qui ont une longue longévité, c'est que ce sont des gens qui ont une pratique sportive régulière, c'est-à-dire dit, mais l'habitude, pendant une demi-heure où il fait une activité, il n'arrête pas. Pourquoi? Pour maintenir toujours son système musculaire, osseux, cardiaque et tout ce que vous voulez en activité. Ça, c'est très, très... Et là, il y a une corrélation très intéressante entre les grands âges et les gens qui sont des sédentaires et les gens qui sont sportifs. Pour moi, je le dis et je le redis, nos élèves, ils doivent apprendre dans un minimum
comment bien s'échauffer et dans un maximum comprendre les activités dans une moyenne culturelle. C'est-à-dire le moment où il est en train de regarder un match, c'est pas il est content parce qu'il y a une équipe qui a gagné ou il est mécontent parce qu'il a une autre équipe qui a perdu. Il doit comprendre pourquoi une équipe elle a gagné et pourquoi une équipe elle a perdu. C'est ça le culturel. Et dans un niveau maximum, on peut développer des gens qui peuvent aller vers la performance et aller vers l'excellence sportive. Donc, en fait, on a trois niveaux. Un niveau minimal, c'est l'entretien de la vie future. Ou qui a dit l'échauffement d'Yélo. Parce que je dirais un footing le dimanche. Il sait déjà comment courir, comment s'étirer, comment éviter les mouvements brusques, pas de temps de latence et ainsi de suite. Dans un niveau moyen, un capital culturel, il comprend. Dans un niveau maximal, il peut être un bon athlète après un développement et un entraînement professionnel pour aller vers l'élite sportive. شكراً أستاذ المفتدير. نعطيه الكلمة السي المالكي. السي المالكي غياكسيفي الميكرو. السي المالكي نمروا للسي بوماوي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام لان تحيه لجميع الاساتذه الموجودين بهذه لا ريونيون. تحيه كبيره للسي قرواس عاجز استاذ نتاعي اللي تلمدت عليه 4 سنين في لاناس. جيت فيير سي سوسي. دونك كتسمعوني ياك؟ وي 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 وي. دونك بوغ اتر ان بتي بو بريف دونك ريبوندون ا اون كيستيون كي فوزي بار دو ما بروبليماتيك de mémoire de fin d'études à l'ENS, donc qui est les causes du déclin du sport scolaire, ou bien donc c'est pas par ajout, donc la contribution de le sport scolaire le sport civil. Donc d'après 6 ans de 6 ans de la hadad jriba médania d'ancienneté, donc il s'est avéré qu'il n'y a aucun obstacle législatif. Nous pouvons dire que nous avons dit qu'on ne peut pas jumeler ou bien joindre 2 heures successives de PS. Il est très essentiel. Une heure, surtout dans le milieu rural, il n'est pas rentable. On ne peut pas toucher un objectif de séance. Monsieur, on ne peut pas, mais vraiment, on ne va pas le toucher à 90% bien. On ne va pas optimiser l'atteinte de l'objectif. Je parle au milieu, surtout au milieu rural. Donc, elle a dit le premier point. Le deuxième point, c'est, donc on parle de l'ASS. On a parlé de l'ASS. Quand vous le laissez, le sport scolaire, il ne contribue pas efficacement à le sport civil. Tout simplement, doit M. Karouach, les 4 phases de détection. Donc, on a raté deux phases de détection, à savoir de 5 à 8 ans et de 8 ans à 10 ans. Il y a Karouach Aziz. À 12, oui, c'est ça. Donc, quand je joue la phase de lycée, je vais dire que je 12 à 16 ans. Donc, d'après des tests de détection que j'ai fait moi personnellement, il y a des profils sportifs qui sont vraiment en air. Donc, des profils familiers qui ont le championnat régional. Provincial plutôt, qui peut qualifier le régional avec vraiment un miracle. Parce que tu as un niveau qui traîne, mais tu as un niveau débutant ou qui te confrontera à un niveau qui est
دونك ديما كتلقى هذوك لا سوبيريوريتي نتاع لي لي هذو لي لي يعني لي زاتليت او بيان لي زاتليت سكولاريزي مي كي سون ايسيو دي كلوب دونك انا ديما غادي تلقى واحد اون سوبيريوريتي نتاع لي كلوب بارابور سكولير. Vous voyez, monsieur, est-ce que vous avez saisi mon observation? Donc, là, il y a une catégorie de programmer un programme pour d'entraînement. Enfin, là, il y a Smith ou 4G, la planification horaire, les 4 comptes vraiment limitées par le bignette Moussessa. Le bignette Moussessa fait une 4 comptes. Il fait une rigidité d'élaboration des emplois du temps. Donc, on a un horaire visualisé, il y a la correction que tu ne trouves pas. Or, il y a un horaire qui est même question, il y a un horaire qui est le transport. Il y a un horaire qui est le devoir, le vide, donc je ne peux pas assister. Donc, je parle sur le milieu rural. Alors, on trouve des talents, on trouve le potentiel, mais alors, toujours il y a des limites. Donc, l'alliance entre le ministère de jeunesse et sport et les profs de PS. Enfin, là, déjà, j'ai participé dans une réunion qui ont les stades pour M. Aziz. On a acheté les stades. On donne toujours de l'importance aux fonctionnaires du ministère de jeunesse et sport. Donc, quand on attend l'importance de Kouinat, quand on attend l'importance de Jeff Dehouil. Or, il traduit l'Assadid Tarbiyal Badani, il y a des autorisations pour des formations. Des formations, pas de 2 jours, 3 jours. Des formations continues, les conos, vraiment les conos, grâce en termes de d'apport scientifique. Donc, à deux mal, حاولت نختصر واخا كنت un petit peu حاولت نقول بزاف د النقاط. Donc, pour ne pas prendre du temps, est-ce que monsieur Aziz a saisi mais يعني المداخله نتاعي. شكرا استاذ العزيز. شكرا. انا je vais reprendre la deuxième question parce que le premier ما سمعتهاش كان كيتقطع الصوت. J'aimerais bien reprendre sa première question. Mais donc, je vais répondre sur la première, on va la reprendre. Il y a quel moukine? Oui, ok. Pour la première question, c'est pas une question, mais. La deuxième, c'est. Oui, c'est bon, je lis la deuxième, je lis. Andy, c'est pour moi, oui. Deux heures d'apprentissage. Oui, Andy, je lis. Ouais. Parce que c'est une limite, c'est un obstacle législatif. Sil Boumaoui, je te félicite déjà pour ta question. Je me rappelle très très bien, Sil Boumaoui est l'enfant d'une famille d'athlètes, de père en fils, des grands guerriers du sport universitaire avec son père et ses frères, des athlètes qui sont connus, 3 athlètes, Barclay, Mashallah. Donc, sur cette question d'horaire, moi je l'ai bien dit qu'au lycée, si on va partir sur un parcours d'excellence, il va y avoir l'augmentation des horaires. C'est-à-dire, Ranardo, les 2 heures, ça fait 4 heures, on est obligé d'ajouter d'autres 2 heures, ça va faire 6 heures. Avec les 3 heures d'AIC, ça va faire 9-10 heures. Plus samedi, ça va faire une moyenne de 12. C'est comme tu es en train de répartir qu'un entraînement régulier de 2 heures par jour. Et là encore, si on va être sur une formule sport-études, qui est différente de parcours excellence, si on va être sur sport-études, ça veut dire l'entraînement 2 fois par jour, sans compter les heures de l'éducation physique.
parce qu'on se dit que ces garçons-là, ce sont des athlètes, on les a dépistés, on les a testés, ils représentent toutes les qualités requises et certifiées ailleurs qu'ils peuvent être des futurs champions. C'est-à-dire deux séances d'entraînement jour, une le matin et l'autre l'après-midi, plus l'horaire éducation physique. Et je rappelle là, c'est dans l'option sport-études. Si on ne va pas faire de sport-études et on va rester sur uniquement parcours excellence, c'est-à-dire 2 heures plus 2 heures qui existent actuellement, et on est obligé d'ajouter encore 2 heures, plus les 3 heures d'AIC, ça va faire 9 heures, et les deux heures, 3 heures de la compétition de samedi, on va être par minimum sur 12 heures de pratique sportive. Si on la répartit autrement, ça va être 12 sur 6, ça va te faire 2 heures par jour. Parce qu'il faut un minimum d'heures de pratique pour dire qu'on peut vraiment développer quelque chose. À l'heure actuelle, si nos élèves, avec la pression des effectifs, les problèmes d'infrastructure, les emplois du temps, si nos élèves ils arrivent à prendre quelques techniques, c'est déjà pas mal. Donc là, si on veut s'inscrire dans ce projet-là, il doit y avoir une volonté depuis les instances dirigeantes pour l'aménagement des plages horaires, pour l'aménagement des plateaux, pour la faisabilité des partenariats en termes de terrain d'entraînement. Je peux utiliser les terrains de la jeunesse et sport qui sont en parce que je peux les donc je peux les utiliser pour aller faire qu'arf un timide djali bien de l'après-midi rama régis le madrasa ra ghamchi directement le club x ou la y parce que ando un entraînement intense dans l'après-midi. Donc pour aller dans un sens de développement de certains élèves, et je dis pas tous les élèves, certains al ba'd min al kull, certains, il doit y avoir toute une organisation des parties dirigeantes de ce projet-là pour pouvoir garantir les conditions, je ne vais pas dire exemplaires, mais basiques pour permettre de développer un produit sportif suivant des élèves qui ont des qualités physiques, cognitives et affectives et avec une supervision de qualité. Vous avez parlé de la formation. Je l'ai annoncé à la fin. Et j'ai dit que le moteur de ce projet-là, sont les enseignants. Donc, c'est les formations qui vont être en continu et périodique. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il faut les motiver. Comment les motiver? Par exemple, si le Boumaoui, tu gagnes championnat scolaire pour l'athlétisme, et je sais que tu es trop sûr pour l'athlétisme, alors je t'envoie une formation de une semaine avec l'IAF, qui est une formation d'hier, qui est une certification. Et on est tous au courant que maintenant, on donne des autorisations à des étudiants pour aller à l'université Lips en Allemagne pour faire des formations pendant 6 mois dans des spécialités. Donc ça, c'est prometteur dans l'avenir. Ça va donner le fruit dans 10 ans, dans 15 ans, mais il faut toujours renforcer les formations continues des enseignants durant l'année avec un minimum 2 à 3 formations par des experts de domaine appuyé par les superviseurs pédagogiques pour aller vers l'avant, lever le niveau de réflexion, le niveau de d'entraînement des enseignants pour qu'on puisse, par voie conséquence, lever et hausser le niveau de pratique des élèves. En fait, c'est une chaîne de travail qui descend de la haute instance vers le dernier enseignant, vers le dernier élève dans l'établissement scolaire. À vous, c'est Aziz. شكرا السادي شكرا جزيلا الكلمة للسي سمير أبو عقيل الحكم الدولي مرحبا. Première des choses, merci c'est Aziz pour cette conférence, cette visioconférence qui a donné l'opportunité à tout le monde pour rentrer dans un système de réflexion et si on veut dire critique entre les participants et entre vous bien sûr. Je vais essayer de commencer avec des éclaircissements et en même temps, je vais poser une question vers la fin, comme ça, pour qu'on puisse, vers la fin, sortir avec des solutions et non pas des souhaits, si on veut dire. Première des choses,
Lorsqu'on parle de l'excellence sportive et de l'élite, si on veut dire de l'élite, la formation de l'excellence sportive et de l'élite sportive, c'est question de trois axes majeurs. Le premier, elle est stratégique. Elle est stratégique, ça veut dire ça dépend d'une vision, d'une certaine gouvernance sportive, des entités nationaux qui sont responsables sur le sport en général et sur le sport scolaire en particulier. Deuxième axe, elle est en relation avec la gestion et le management de cette stratégie, de cette vision, de cette politique sportive en général et de cette politique scolaire en particulier. Et le troisième axe, où c'est ça que j'aimerais bien, si Dieu me le permet, bien sûr, vers la fin de cette réunion et ce meeting, c'est qu'on doit arrêter, entre parenthèses, باش نبقاو نجلدو ونقولو toujours que l'éducation physique doit faire ressortir une élite sportive nationale. Arrêtez de dire que les enseignants d'EPS sont les responsables sur cette excellence sportive. Je vais m'expliquer davantage. Pour le premier axe stratégique, pour aller de l'avant et sortir avec output, qui est l'excellence, qui est cette culture qu'on doit bâtir, et vous savez très bien que pour instaurer une certaine culture organisationnelle au niveau de notre domaine, qui est le sport, et notre domaine particulier, le sport scolaire, il faut des années et des années de travail. Première des choses, on va s'inspirer des expériences à l'international. Vous connaissez le modèle SPLIS. Pour que vous puissiez avoir un champion, il faut avoir, aller vers l'excellence, il faut avoir respecté 9 paliers. Piliers, je dis bien. Non pas paliers, mais des piliers. Le premier, il est financier. Le deuxième, il est en rapport avec l'organisation, avec le ministère du sport et de la culture et le ministère de l'éducation nationale. Le troisième pilier, il est en rapport avec la masse, la participation massive. Elle est bien sûr un objectif, un pilier qui est en intersection de point de vue travail entre civil, qui est les fédérations gouvernées par des présidents ou bien sûr chapeautées par le CNOM et par le ministère de sport. Le quatrième pilier, c'est aussi l'identification des talents via un système. Je dis bien un système, ça veut dire que toutes les fédérations, que toute organisation qui intervient dans le domaine du sport, en général au Maroc ou au sport scolaire en particulier, doivent avoir un système identifié, défini, prédéfini au préalable de détection des talents. Le cinquième pilier, c'est le dual career. Post-carrière, ça veut dire, comme vous avez évoqué, que après la blessure ou après la réussite scolaire et la réussite sportive, ce sportif, qu'est-ce qu'il va faire? Et nous avons un article qui stipule celui qui ramène une médaille, il peut être embauché à l'échelle 10 au ministère du sport. Le sixième pilier, qui est quelles peuvent être les installations sportives au Maroc qui peuvent assurer cette stratégie gouvernementale de point de vue vision et de point de vue décision nationale gouvernementale. Le septième pilier, existe-t-il ou doit être existé un système d'entraînement et de développement permanent et de formation? Le huitième pilier, qui est le système de compétition nationale pour toutes les fédérations, pouvons-nous parler d'un système ou pouvons-nous parler d'une prise d'initiative de chaque fédération, comme on trouve au foot, la ligue professionnelle, au basket, on trouve la compétition avec beaucoup de divisions, au handball, avec des divisions qui ne sont pas unifiées entre les fédérations. Et bien sûr, le pilier qui est très intéressant dans tout ça, c'est le pilier des concepteurs, c'est le pilier de la recherche scientifique. Si il n'y en a pas ces 9 piliers, on ne pourra jamais aller vers une excellence sportive. Jamais aller vers l'élite sportive, jamais voir un environnement où il y a tout ça, sans oublier bien sûr du professionnalisme de la part des médias, de la part des sponsors et de la part des mécènes et des partenaires. Ça, il faut aller respecter les 9 piliers de point de vue stratégique, gouvernement, ministère,
direction pour qu'on puisse aller de l'avant vers un système d'excellence sportive. Deuxième axe, je vais le reporter vers la fin et je vais aller sur le volet technique. Et ce volet technique, c'est en rapport avec quoi? Il est en rapport avec ma question précisément. Existe-t-il vraiment au Maroc? Ou bien s'il n'existe pas, est-ce qu'il y a quelqu'un au Maroc qui nous a avancé un système de développement à long terme de l'athlète? Il n'existe pas ce système. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été avancées pour nous dire voilà le chemin de développement de l'enfant de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 18 ans ou de 24 ans? Il n'existe pas. Et ce chemin de développement à long terme qui va essayer de nous guider davantage lorsqu'on respecte la vision stratégique, lorsqu'on respecte les politiques sportives du pays. Parce que lorsqu'on commence un enfant sur ce chemin de développement à long terme, si on arrivera un jour à le développer, c'est quand on commence avec un enfant actif. Et déjà, il y en a un travail qui s'effectue maintenant et en train de se construire pour introduire l'éducation motrice au préscolaire et va voir le jour dans les semaines à venir, Inch'Allah, qui est chapeauté par la direction du curricula et la direction du sport scolaire, en présence du directeur M. Milik, que tout le monde le connaît. Le deuxième stade de développement, je parle toujours technique, hein, c'est que s'amuser grâce au sport, c'est au primaire, et il y a aussi des choses qu'on essaie de s'installer tout ensemble, et vient le stade d'apprendre à s'entraîner. C'est entre l'âge de 9 ans et 12 ans. Et après ce stade, toujours techniquement, s'entraîner à s'entraîner. Et puis par la suite, s'entraîner à la compétition. Et là, je mets entre parenthèses et un grand point d'interrogation, on met des enfants entre l'âge de 9 ans à 10 ans dans des systèmes de compétition. J'ai même assisté à des profs d'éducation physique qui sont en train d'appliquer des systèmes lors des entraînements avec ces enfants, alors que l'enfant n'a passé ni par un stage actif, ni il s'est amusé, ni il sait comment apprendre à s'entraîner. Non, s'entraîner à s'entraîner. Et par la suite, s'entraîner à gagner. C'est la compétition vers la fin. Et là, maintenant, ma question est la suivante. C'est le deuxième axe. Qui est l'entité qui doit manager ça, si en existence d'une vision globale stratégique de la part du gouvernement via les deux ministres et via, bien sûr, le respect des piliers? Deuxième question. Les enseignants d'éducation physique, leur rôle, ce n'est pas la préparation de l'excellence. Parce que pour préparer l'excellence, vous savez très très bien, c'est Aziz, même pour un arbitre, pour qu'il puisse se préparer aux Jeux Olympiques, il se prépare au minimum sur un an, sur 2 ans ou sur 3 ans. Sachant bien qu'on vous avait évoqué, vous connaissez la règle de 10 de Erikson. La règle de 10, elle est simple. Pour que vous puissiez exceller dans un domaine bien déterminé, il vous faut plus de 10 000 heures pour arriver à cette excellence, donc dans un minimum de 3 heures par jour. Donc, ma question est simple, pour récapituler. S'il existe cette stratégie gouvernementale, s'il n'existe pas, comment faire, vous, moi, et tous les participants qui sont ici en tant que profs, intervenants, statisticiens, médias, comment pouvons-nous avancer vers l'avant et proposer un modèle bien déterminé pour notre Maroc de demain? Deuxième question, est-ce qu'on n'a pas besoin d'établir un autre modèle de cheminement de développement à long terme pour l'enfant? Et aussi, comment installer cette culture d'excellence sportive sur 10 années, 15 années à venir? Voilà, merci Saïd. شكرا شكرا استاذ المقتدر سي سمير الكلمه لك سي عزيز دونك avant tout salutation le سي سمير عراقي notre arbitre international et maintenant instructeur et également un intervenant dans le champ d'éducation physique notamment maintenant dans la direction de promotion scolaire donc moi j'ai toujours adhérer à l'idée de souhait vers des solutions. Ça commence toujours comme ça. C'est toujours une petite idée vers une grande idée. C'est la vie. Si on n'a pas de souhait, c'est-à-dire on va toujours vivre la même chose. Les souhaits sont un petit peu l'oxygène de la vie. Donc, vous avez parlé de piliers. Je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas le contraire. Mais là, c'est question d'une envie étatique.
Là, ce que je viens d'étaler là, c'est une façon de voir les choses. C'est une vision par rapport à ce qui se fait à l'extérieur et comment on peut l'adapter. Sur les autres versants, et vous l'avez bien étalé durant votre intervention, j'ai pas abordé le stratégique, j'ai pas abordé le management, j'ai pas abordé beaucoup de choses, parce que ça, c'est le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est que le moment où on va adopter l'idée, on se dit, oui, OK, ça peut marcher. OK, ça peut marcher, mais on doit modifier. Non, ça peut pas marcher, on oublie. Donc, si on est sur les deux premiers niveaux, on va accepter ou on va accepter modifier. Là, on va mettre les ressources humaines et les ressources financières pour mettre en application de ce projet-là. Donc là, on est juste dans la phase de réflexion. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure durant votre discussion, système de développement, je vais revenir tout à l'heure. Je crois qu'avec toute la modestie du monde, on a eu plusieurs... lettre de Sa Majesté sur le développement de sport, sur le sport scolaire. Mais est-il qu'il y a un problème au niveau de l'opérationnalisation, de faire descendre ces recommandations sur terrain? C'est ça le vrai souci. Parce qu'il y a la politique, mais il n'y a pas la stratégie de faire descendre. Et d'ailleurs, ça avec moi, Aziz Daouda, il l'a évoqué dans une grande intervention qu'il y a eu sur notre association des entraîneurs de basketball, on est bien d'accord sur ça. La politique, elle est là, mais la stratégie, elle fait défaut. Comment faire descendre, comment opérationnaliser, comment mettre en œuvre, comment rendre ça réel, qui fait vraiment défaut. Autre point que vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que ce souci d'excellence, il est uniquement collé, lié, étiqueté sur l'éducation physique? Non, monsieur. Il faut tous les partenaires étatiques, c'est-à-dire l'éducation nationale, le ministère de la jeunesse et sport, le ministère de la santé, le ministère d'intérieur, c'est-à-dire tous ces gens-là, ils vont s'asseoir et se dire, attends, nous, on va changer d'option, on va aller vers une élite sportive qui peut commencer du scolaire et on peut la développer par la suite sur les clubs civils, où on peut parler en parallèle. Je te donne un simple exemple. Les États-Unis, dans un pays qui ne connaissait pas le football, d'un pays qui a organisé le championnat du monde. Ça donne des idées. La Chine, maintenant, d'un pays, et toi, tu es basketteur comme moi, qui ne connaissait même pas le basketball, un pays et qui commence un petit peu à exporter les joueurs vers l'NBA. C'est question de volonté étatique. Et la volonté étatique, elle émane d'un besoin sociétal. Ça devient de la société. Lorsqu'il y a un besoin de la société, l'État, elle s'aligne si ça va de soi avec sa vision. Et ça va de soi avec ses priorités. On se rappelle tous ce que disait Feul Hassan Thani. Il disait que le Maroc, il était plus connu par Saïd Aouita et Nawal Moutawakil que par le politique. Donc, le sport, il peut être un vecteur de diplomatie pacifique. Donc, on peut être sur ça. Mais là encore, il faut que les décideurs, ils sont dans la même logique de réflexion, ils vont adopter cette façon de voir les choses, ils se disent, OK, c'est bon, on va changer un petit peu le paramétrage et on va aller un petit peu vers la sportivisation. Bien sûr, on ne va pas sportiviser tout le monde, mais on a des techniques. Et là, ça m'amène à votre deuxième point, c'est le système de développement. Le système de développement, ce n'est pas une chose qui est vraiment très difficile. Pour être meilleur, il faut voir ce que font les meilleurs. Donc, tu prends ce que font les meilleurs, tu essaies de l'adapter selon tes paramètres, c'est-à-dire la culture locale, tes installations, tes budgets, tes ressources humaines, pour pouvoir dire par la suite. Et encore, ton niveau d'excellence, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as travaillé, demain tu vas être un champion. Ça demande du temps, ça demande du travail. Peut-être tu vas être dans l'excellence, dans un premier niveau, sur le niveau africain, après tu balances sur le niveau arabe, après tu peux faire un peu de concurrence avec les Européens et tu peux aller dans un niveau mondial. L'excellence, ce n'est pas du tout suite. Ça, c'est des paliers. Vous l'avez bien dit, il y a des paliers du progrès. On ne sort pas du rez-de-chaussée pour aller au 10e étage, ça passe par le premier, deuxième. Donc, c'est un petit peu progressif. Sur les entités, j'espère que j'ai répondu, il faut des partenariats effectif sur terrain
après les par les différentes composantes, c'est-à-dire le MEN, le ministère de la Jeunesse et Sport, le ministère de l'Intérieur, Santé et ainsi de suite. À ma connaissance, personne n'a jamais condamné le professeur d'éducation physique de faire sortir des élites et des sportifs. Personne. Parce que, à ma connaissance, tout le monde connaît les conditions de travail du professeur d'éducation physique. Une moyenne de classe 40-50 élèves. Des installations des fois présentes, pas présentes. Des emplois du temps qui balancent plus vers les activités de classe que les activités physiques de terrain. Donc, à ma connaissance, personne n'a jamais condamné les professeurs d'éducation physique d'être inactifs. Il y a un bruit, est-ce que je peux continuer? Oui, là, ça va être rasca, Oussaid. Il n'y a jamais eu une condamnation des professeurs d'éducation physique de ne pas faire leur boulot. D'ailleurs, les professeurs d'éducation physique, ils ont montré leur talent à l'extérieur et tu en fais partie à l'extérieur comme des arbitres, comme des délégués, comme des joueurs, comme des entraîneurs et ainsi de suite. Donc, tout le total respect pour le professeur d'éducation physique. Vous venez de dire on ne peut pas faire de l'excellence parce que ça demande ça, les piliers, mais je me demande là que vous êtes un membre de la direction de promotion du sport scolaire, pourquoi on va vers le sport-études? Sport-études, ça demande des paliers, ça demande l'investissement. Donc, il y a de la volonté, il y a de l'envie, il y a des moyens qui vont être mis derrière pour que ça réussisse. Et j'espère de tout cœur que ça va réussir. Déjà, avec cet objectif et cette intention du nouveau directeur, M. Mili, en collaboration avec la direction des curricula pour mettre l'éducation motrice au niveau du primaire, c'est une très bonne chose et qui va nous permettre un petit peu d'épargner l'initiation familiarisée au collège et avoir des gens qui sont déjà initiés et familiarisés. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas être sur la spécialisation précoce, et je l'ai bien dit, avant 16 ans, pas de système de jeu, pas de jeu posté, pas de meneur, pas d'ailier, pas de grand. C'est l'apprentissage technique pour tout le monde dans tous les postes. La spécialisation, c'est à partir de 16 ans. D'ailleurs, dans les fédérations internationales, on interdit complètement cette spécialisation en interdisant des techniques. Et par exemple, en basketball, on interdit les pics, on interdit les défenses de zone parce qu'elles faussent l'apprentissage et elles dérangent le développement de la formation, le développement de la formation complète de l'athlète. Vous avez évoqué le 10 000 heures et là, moi, je travaille sur ma thèse sur l'excellence en sport. Les 10 000 heures, selon la théorie de Floyd, 10 000 heures pour être un expert, c'est-à-dire de 16 ans jusqu'à 26 ans, pour dire que ce joueur-là, c'est un expert dans le jeu et il peut être. C'est 10 000 heures, ce qui équivaut à 10 ans de pratique, dont le haut niveau, qui dit haut niveau, dit championnat du monde, championnat d'Afrique, Euroleague, championnat du monde, Jeux olympiques. Et j'espère que j'ai apporté des éléments de réponse à notre collègue Samir Abaqib. Soukran, Oussaid Moukhsader, à la Siad Sadrek. Nous avons un juge moudakhalat. Si Mohamed, activez le micro. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. في البداية تنشكر البوابة الرئيسية للأساتذة وتنشكر السي عزيز مسيو بعقيل على هذه المداخلة. شكرا بزاف السي عزيز. المداخلة ديالي غادي تكون قصيرة. صراحة حنا تنهضروا دابا على الفلسفة ديال يعني تدريس مادة التربية البدنية والرياضية. غير اللي تنشوفوا مؤخرا أنا بعد أستاذ ما عرفتش يعني بي أنا أستاذ مادة التربية البدنية والرياضية بمدينة تنغير. حنا تنشوفوا مؤخرا ان كاين واحد التجهيز على ماده التربيه البدنيه والرياضيه. عندك جوج نقاط. المشكل الاول اي بالنسبه للاساتذه التربيه البدنيه يعني مفتوحه امام اي حاصل للاجازه كما بغات تكون. يعني هذا راه الضرب يعني في المصداقيه ديال الاساتذه التربيه البدنيه والرياضيه.
مع احترامي يعني الإجازات أخرين. يعني راه لا يعقل أن أي أستاذ ولا أي طالب عنده إجازة في أي تخصص أنه تيدفع وتيتقبل ضمن يعني أنه يكون أستاذ يعني في المستقبل ديال مادة التربية البدنية والرياضية، والعكس غير صحيح. يعني ما يمكنش أنا عندي إجازة في العلوم الطبيعية على سبيل المثال ونمشي ندفع الاجتماعيات ولا ندفع التربية الإسلامية ولا، هذه ما مقبولاش. يعني هذه واحد النظرة دونية يعني الأساتذة ولا المادة التربية البدنية والرياضية. واللي تلاحظوا عاوتاني مؤخرا هو أنه تيضربوا في ديك لايسيس، أنه ولات الأكثرية منين تيلقاو أن ما عندهمش واحد العدد الكافي ديال الأساتذة ديال التربية البدنية، شنو تيديروا؟ أنهم تيحاولوا يحيدوا ديك لايسيس، يعني ولات عندهم زايدة ناقصة. وحنا تنعرفوا أن لايسيس راه تندرت في ظهير شريف، والظهير الشريف راه إلا بغيتي تحيد واحد الحاجة راه خصك ترجع للقوانين ودير هذه ودير. وحنا لايسيس ولات دابا الله ما خصنا أستاذ هنا حيدوا لايسيس، يعني ما هذه ولات تالا. وكيفاش حنا غادي نطوروا التربيه البدنيه وحنا تنضربوا؟ لان لايسيس هي واحد الحصص اللي تيتجمعوا فيها التلاميذ كاملين، ملي تنقولوا بالنسبه للاعدادي نهار الاربعاء ونهار الجمعه، وبالنسبه للثانوي نهار الجمعه. يعني هذه فرصه باش يبانوا لنا التلاميذ صراحه اللي عندهم واحد الموهبه في رياضه معينه، ويمكن لهم يعطيونا يعني من هنا للقدام يعني ديزاتليت ولا دي بون جوور في ديزاكتيفيتي كوليكتيف. ولكن حنا تلاحظوا يعني مؤخرا انه ولا واحد جهيز على لايسيس. وكاين واحد القضيه اخرى بالنسبه يعني للموارد البشريه اللي تتسير لنا يعني الرياضه المدرسيه يعني على الصعيد المغربي. تنشوف انا كاين واحد المشكل ديال التسيير الفردي، يعني داك التسيير التشاركي اللي كاين دابا اللي تيناديو به يعني جميع المحللين الرياضيين وعلى ولا المحللين كاع بصفه عامه، انهم تيهضروا عن التسيير التشاركي. ولينا تنشوفوا في المكاتب الاقليميه ولا الجهويه يعني تيكون واحد التسيير فردي، يعني والتسيير فردي وحتى عدم التجديد ديال دوك المكاتب. انا هنا في مدينه تنقير تنعقل واحد المكتب، هذا منين انا هنايا هو كاين تقريبا شي 8 سنين، هذه هو داك المكتب كاين، تتقول لهم وتيديروا داك الشيء واخا تعطيهم انت فكره، واخا تعطيهم واحد الفكره باش يزيدوا لقدام، هما لا تيقولوا لك مادام جات هذه الفكره من هذا فلان هذا يعني راه ما غاديش نقبلوها. وهذه راه تنعيشها وتنتصل حتى بالاصدقاء ديالي في المناطق الاخرين في المغرب، يعني نفس المشكل تيدار. وكاين حتى واحد القضيه اخرى عاوتاني هي ديال غياب ديال التكوينات. صراحه مؤخرا ولينا شفنا ان مديريه الارتقاء بالرياضه المدرسيه ولا تدير، وخير دليل هو مؤخرا يعني هذه السنه هذه كان واحد النجاح باهر، ولكن تتلقى عدد الاساتذه اللي مستافدين تيكون قليل، وحتى داك التكوين يعني الذاتي غياب ديال التكوينات الذاتيه للاساتذه. وهذا يعني تيضرب في يعني في التطوير ديال الماده التربيه البدنيه والرياضيه، انك تتلقى استاذ مازال خدام بداك الشيء اللي جابوه من 2000 وهو في 2020 ومازال تنخدموا بداك الشيء اللي جاب من السونتر من المركز ولا هذا ومازال خدام به. هادو من بين بعض يعني بعض المشاكل، ما بغيتش نطول عليكم، سمحوا لي بزاف وشكرا لكم مرة أخرى. شكرا سي محمد، الكلمة لك سي عزيز، خليك تفضل. مشكورة سي محمد حجيج، تحية وتحية حارة نزلتين غير اللي كان عندي الفرصة مشي درت تكوين المدربين في المنطقة ديال الراشدية ودرعة تفيلات، تحية كبيرة. ونحاول نجاوبك على جوج نقاط، ونقطه ما نقدرش نجاوبك عليها باسكو ما دخلاش في التخصص ديالي، دونك انا كنحاول نجاوب على النقاط اللي داخلين. لو مود دو ريكروتمون دي زيليف بروفيسور، متفق معك 100%. اون فو ديفلوبي الوقت اللي كنا كنديروا في لو ريكروتمون، اون اكزيج ان يكون عنده نقطه مزيانه في الرياضه وما طلعناش لا مويان جينيرال، كانوا كيجيونا دي جون اللي كانوا اصلا كيديروا الرياضه دون لي زيتابليسمون سكولير، وكان هادشي كينعكس على المردود ديالهم في التخرج، كيكونوا سوا دي زونسيان اتليت ولا دي زونسيان جوور، وكيكون كيدير لا فورماسيون ديالو في المدرسه العليا ولا كيديرها في المراكز الجهويه، وكيخرج عنده ان باجاج سبورتيف. على فوا كتربح فيه جوج حوايج، كتربح فيه بروفيسور ديدوكاسيون فيزيك، وكتربح فيه ان بروفيسور لي فلايسيس ان ميتريس سا سبيسياليتي. سا سيتي ان بون بوين. الوقت اللي اون شونجي زينا لي موين جينيرو نتاع لو ريكروتمون، طلعنا 13 14 باش يجي ليدوكاسيون فيزيك، كلنا كنلقاو الناس
اللي عندهم موان افيك ليدوكاسيون فيزيك مي بلوس افيك دوتر ماتيير كو لو سبور او ليدوكاسيون فيزيك على باز دو لور فورماسيون سيكوندير. هادشي نعكس لا على او نيفو دو لا فورماسيون كتلقى اون ديفيكولتي بور لي فورمي دون لي سونتر دو فورماسيون وفاش كيخرجوا ليميت بير اونكور سي ديرنيير اني ولينا كناخذو من جميع الشعاب على ريغور. نقدر نتفهم ان واحد جاي باغ اكزومبل في لي كا ديال السي كيو بي عنده ال ال بي كيو باردون لي ليسونس بروفيسيونيل عنده لا بيولوجي سا بو كولي ديجا عنده اون باز مي فاش كتجيبو انت من الفلسفه او كتجيبو من الاجتماعيات سي ترو لوين. جو في با بارلي اونكور دو سون نيفو de son niveau de pratique ou de son niveau de compréhension du sport parce que qu'on بعيد وانا ما كنلوموش parce que هذاك التوجه ديالو وظروف اجتماعيه رجعاتو او فرضات عليه يدوز مع هذا الامتحان باش ياخذ منصب وياخذ سالير اي غارونتي سيتياسيون سوسيال. دونك انا ما كنلوموش مي لا ورا كان قالها تو طالور الاستاذ سمير وكنت نتفق على هذه النقطه سي اون بوليتيك ديتا. نهار غادي يكون عندي انا ان اوبجيكتيف باش غادي نهز المستوى ديال التربيه البدنيه وديال السبور سيفيل لا على مستوى مولاي رشيد ولا المدرسه العليا ولا لا سي بي ار غنجيب لي كونسيرني غنجيب لي ديريكتور دو سونت ونجيب لي بروفيسور كي اكسل دون لي ميليو سبورتيف اي سون على فوا عندهم اون دوبل كاسكيت او بي اس اي سبور ونجلس معاهم ونقول لهم عطوني الاقتراحات. هاد الاقتراحات اللي كيمشيو دي ريكومونداسيون لي مينيست هاد لي مينيست اللي كيحطوهم في المجلس الحكومي اللي كيصادق عليهم البرلمان اللي كيدوزو كيخرجوا مشاريع قوانين انسي دي سويت. دونك سا فونكسيون كوم سا دونك راه سي فيس فيرسا من التحت كيطلع للفوق ومن الفوق كيرجع دي تيست وكيهبط لتحت. دونك سي سا لو شيمينمون. فورماسيون كونتينيو جو سوي داكور افيك توا لا فورماسيون كونتينيو اي لي فيبل سي فري كو سي ديرنيير زاني il y a des efforts qu'on applaudit et moi je dirais que je suis très optimiste avec la venue de Slam Miri parce que déjà il a eu un vécu sportif au stade Riyada, il essaie de développer beaucoup de choses. C'est très optimiste, je suis très content et j'espère que l'Omor va être dans le bon sens, Inch'Allah. Et les partenariats avec le civil, le ministère de la Jeunesse et Sport, les associations qui sont actives dans le domaine de formation, je sais les partenariats, car je sais de la main. Guilty Wahb, le mot qui est très important, que j'aime beaucoup, c'est l'approche participative. Il faut faire participer les gens. Alors, tu ne peux pas tout faire. Ce n'est pas parce que tu es incapable. Mais c'est trop pour couvrir le Maghreb, les professeurs d'Yélo, les besoins, les gens qui ne se sont pas formés pendant des années, tu ne peux pas le faire. Tu dois faire appel à des gens de l'extérieur pour hausser le niveau de la formation, pour aller vers l'avant. Et on se dit, on va dire la compétition avec d'autres pays. و غنقولوا بان راه اون بو ليديوكاسيون فيزيك اي لو سبور سكولير يقدر يعطي ابطال اللي تكون الدعامه اللي من بعد نعطيهم للسيفيل من بعد ما كانوا عندنا في سبوريتود نعطيهم للسيفيل باش غيخرج لنا دي زاتليت سولون ان شيمينمون سيونتيفيك تكنيك اي تكنيكو تاكتيك بيان اتيدي. ابو لا بارول. شكرا استاذ مقتدر السي عزيز. اخر مداخله السي احمد بالحاج. Activez le micro, Sahmed. Sahmed. Salam alaikum. تحية للحضور. شكرا للبوابة ديال التربية البدنية اللي عطاتنا هذه الفرصة نتواصلوا مع الإخوان ديالنا. شكرا للناس ديال المديرية اللي انفتحوا على الفاعلين الآخرين ديال التربية البدنية. كنا سمعنا الأستاذ ميني، سمعنا السي شرافي، سمعنا السي ماهر، سمعنا اليوم السي سميرة بعقيل. هذه فرصه مزيانه باش نسمعوا لهم ويسمعوا لينا. شكرا للاستاذ قرواش على التدخل ديالو. انا جو سوي توتا في داكور افيك الموديل اللي بروبوز علينا اللي هو ان موديل سيونتيفيك بيان ستركتوري زعما بيان ريفليشي. غير بالنسبه باش تكون عندنا واحد الفلسفه تدريس التربيه البدنيه نورمالمون خصنا نفكروا في التكوين. انا تنهضر على راسي بيرسونيلمون كنت درت فورماسيون ديال سيكل بيداغوجيك اون اني ابري عاود رجعت درت فورماسيون ديال لي ان اس ديال دوزون. الفلسفه اللي كانت عندي والنظره اللي كانت عندي ملي درت سيكل بيداغوجيك ماشي هي الفلسفه اللي درت اللي ولات عندي وانا من بعد دوزون ديال لي ان اس. دونك التكوين خصو يكون سورتو دابا حاليا تنشوفوا لا فورماسيون اللي كاينه في لي سونتر دو فورماسيون زعما سانسيرمون سي اون فورماسيون كي لا سا ديزيري
وفي حاليا الى جينا نشوفوا لا موزايك ديال لا فورماسيون ولا ديال لي بروفيل ديال لي زونسينيو اللي كاينين عندنا في الساحه نقدروا نلقاو من اساتذه اللي ما عندهمش كاع تكوين دخلوا بلا تكوين ونقدروا نمشيو حتى الاساتذه اللي عندهم 8 طاني دو فورماسيون في لو دومين عندهم 2 زون ديال سي بي ار 2 زون ديال ان اس 2 زون ديال اغريغاسيون بر 2 زون ديال التفتيش اذا كاين واحد لا موزايك كبيره دونك صعيب تكون عندنا واحد الفلسفه موحده باش ندرسوا دونك خصنا نركزوا على التكوين وتنظن انه التغييرات اللي جات مؤخرا في المراكز التكوين سيتي اون بون انيسياتيف غادي يبقاو يقبلوا الاساتذه اللي عندهم 3 زون فورماسيون في لا سبيسياليتي ديالهم اللي جاو 3 زون ديال عندهم اي ليسونس في لا سبيسياليتي بلس 2 زاني دو فورماسيون سي ديجا با مال 50 فورماسيون راه ديجا با مال بالنسبه للسبور سكولير هذا ازمه زعما تنتفقوا عليها كاملين بان كاين ازمه ديال الرياضه المدرسيه فريمون نبداو منا حنا كازمه كتبدا منا حنا كاساتذه التربيه البدنيه كمفتشين كفرع اقليميه كفرع جهويه كجامعه راه كلشي كيتحمل مسؤوليته اذا انا بالنسبه ليا خص هادو خصها شي مناظره وطنيه ولا لقاش تبارك الله راه عندنا اطور عندنا كفاءات اللي يقدروا يفكروا وينظروا باش نقدروا نزيدوا بالرياضه المدرسيه للقدام غير كاين شي حوايج انا ما عرفتش علاش ما تنركزوش عليهم عندنا واحد النماذج ناجحه في الرياضه المدرسيه في المغرب كاين اساتذه تبارك الله عليهم بعد ما خدمتكمش راسي انا احمد بن الحاج المديريه القنيطره استاذ التربيه البدنيه مديريه القنيطره كاين واحد الاساتذه اللي عندهم واحد التجربه ناجحه على الصعيد الوطني فناخذ بحال دابا جوج ديال النماذج في مدينه الرشيديه اللي حاضرين دابا معنا في هذا الندوه السي حسني مولاي حسن والسي حسن زها السي حسني زيز فوا تيلعب لي فاز فينال ديال الشامبيون ناسيونال في الفول سي حسن الزهر تيلعب 17 المره 17 فوا لي شامب لي فينال ديال الشامبيون ناسيونال وما ادراك ما الفينال باش توصل للفينال راه ما هي وما لونها الفو ان باركور دو كومباتون بور اريفي لا علاش ما هاد الناس هادو حتى هما يجيو ويعطيونا يعطيونا لو موديل كيفاش خدموا تانسبيرو منهم لحقاش ديما حنا غالبا غايب عندنا داك لو موديل انسبيرو منه هادو جوج الاطور تبارك الله كبار هادو عطيت انا كاكزومبل راه كاينه مجموعه ديال الاطور في المغرب تبارك الله عطاو وباقيين تيعطيو حاجه اخرى بالنسبه لا فورماسيون عندنا حنا تبارك الله اطور خصنا نديرو فورماسيون خصنا نبروبوزيو فورماسيون للاساتذه في كل استاذ خصو تكون عنده اون سبيسياليتي ديالو ويتفورما فيها يتفورما بوين دو في اونترينمون او نيفو اربيتراج نهز بحال دابا غير الباسكت عندنا تبارك الله مجموعه ديال الاطور اللي يقدروا ياثروا دي فورماسيون ا او نيفو عندنا دي انستريكتور فيبا تبارك الله عندنا في التربيه البدنيه بحال السوزي الازهري نهزو السي بحال اللي معنا السي قرواش السي الياتريبي نهزو بحال دابا هنا في قنيطره عندنا السي تهامي سنوني عندنا مجموعه ديال الاطور يقدروا ياثروا لينا التدريب عندنا اطور اللي يقدروا ياثروا لينا في التحكيم نهزو السي سمير ابا عقيل عندنا مجموعه ديال الاطور عندنا السي الحسن داد في الرشيديه كحكم دولي عندنا مجموعه ديال الاطور ديال الاساتذه اللي يقدروا ياثروا لينا هاد لا فورماسيون هذا بالنسبه للرياضه المدرسيه بالنسبه لا سبيسياليزاسيون انا مع السي قرواش لا سبيسياليزاسيون في الليسي كيفاش غادي تطبق وكيفاش صعيب شكون كل غادي يمشي وكيفاش غادي الدراري يختاروا لا سبيسياليتي ديالهم واش ممكن يمشيو باتجاه واحد كيفاش كذا كيفاش تكون الاساتذه واش غادي تلقى دوك الاساتذه اللي غادي يمشيو المهم كاين اشكال بالنسبه للسبور يوتيوب اللي دار اللي هضرتوا عليها دابا واللي كنهضر عليها سيميلي ما عرفتش انا كانت واحد التجربه مهمه دارت في الدار البيضاء في ليسي عين السبع وباقيه حاليا نورمالمون كانت دار واحد الدراسه باش نشوفوا الجدوى ديال هذيك اش من فالور اجوتي عطات ولا اش من شنو عطاتنا فين هما لي زافونتاج ولا فين هما زاكونفينيون نبنيو عليها حاليا جات سبور يوتيوب بشراكه مع الشباب والرياضه ما عرفتش وانا كنت قريت مؤخرا واحد ليتود دارت في فرنسا وكان عزيز داوده في الاخر في واحد اللقاء كان دارته ليك البوابه مؤخرا كنهضر على سبور يوتيوب اللي النموذج الفرنسي اللي حنا كنت انسبيرو منه راه نموذج فاشل بارابور للتجربه الانجلو ساكسونيه كنت قلت لك انا واحد شفت واحد دراسه دارت علميه بانه سبور فرنسا سبور دو هو نيفو سافو دير نورمالمون ان نيفو ديتود فابل بالنسبه لي زاتليت سبور نيفو كيكون عندهم ان نيفو ديتود فابل بار كونتر لي زانغلو ساكسون و لي زالمون كتكون نقدروا نلقاو ان سبورتيف دو هو نيفو كيمشي اون باراليل مع النيفو ديال الدراسه تيكون كبير اذا ديما حنا في متابع المجتمع الفرنسي ديما فاش نكونوا شي رياضي ديال هو نيفو ديما تيكون النيفو ديالو فابل وتحياتي للجميع وسمحوا لي الا طولت وتبارك الله عليكم ميرسي
شكرا جزيلا سي احمد ومرحبا سي عزيز لك الكلمه للاجابه عني. سي احمد كنشكرك على المداخله ديالك وكنظن بانك كانوا عندك بلوس كتسمعني سي عزيز الصوت سي عزيز كتسمعني وي وي تنسمعك دابا تنسمعك كتسمعني وي وي تنسمعك دونك غادي بالنسبه للتدخل ديال سي احمد كنظن كانوا بلوس فيه ملاحظات كو دي كيسيون ولكن ما فيها باس غادي نعطيه بعض التوضيحات. لو موديل فرونسي دو سبور الى ريوسي باسكو سي لي سونتر دو فورماسيون امبوزي او كلوب لي فيديراسيون فيا لو مينيستير لا جونيس سبور امبوز لي كلوب انهم يديروا لي سونتر دو فورماسيون سي امبيراتيف. دونك ما يمكنلكش انك تديفلوبي لي سبور سيفيل وما يكونوش عندك les centres de formation. C'est pourquoi le sport français, il décolle. Où il y a plusieurs expériences, avec l'INSEP, avec les pôles, avec les structures privées de clubs. Donc, c'est tout un travail du sport fédéral, ce n'est pas le sport scolaire. Vous avez parlé de la spécialisation. Le moment où il y a de la spécialisation, il me faut des professeurs spécialisés pour pouvoir garantir la réussite de ma spécialisation. Donc ça, c'est un. Deux, Arfara, c'est un qui a dit la spécialisation. Il dit le troisième niveau fléché de détection à 16 ans. C'est-à-dire 15 ans, les enseignants rachèvent les joueurs qui ont du talent. Arfo, ils ont compris. Donc, même le niveau de la détection et l'opération en elle-même, elle va être facile pour pouvoir dire on va prendre X, Y pour aller en basketball, هذا غيمشي l'athlétisme, هذا غيمشي l'handball, هذا غيمشي le gymnastique, ainsi de suite. Donc le processus, il est là. Mais tu dois avoir des gens de domaine, des spécialisés. Et dans le cas, il n'y a pas des gens spécialisés dans l'établissement. Ah, dans ce cas-là, la stratégie du ministère, elle doit être sur le renforcement de la formation continue des gens dans les zones de besoin. On a besoin des entraîneurs de basket, des formateurs, les réformer pendant une durée déterminante sous tutorat, et former des bons entraîneurs. Je ne dis pas des grands entraîneurs, je dis des bons entraîneurs, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'ils font pour compléter un petit peu leur formation initiale et leur vécu dans le sport scolaire. Donc, deux points qui sont, à mes yeux, sont très, très importants. Si je veux aller vers la spécialisation, je dois mettre les moyens. Les moyens en termes d'argent, dans un seul établissement scolaire, un homme les mêmes professeurs, un homme la même supervision pédagogique pour leur garantir la réussite, à savoir la réussite scolaire et la réussite sportive. Derrière, la qualification des cadres qui vont assurer la spécialisation en termes de formation continue, vers la fin, j'ai parlé de formation continue périodique, c'est-à-dire pas une à deux fois, mais un minimum deux à trois par an pour pouvoir qualifier les cadres diaries, les résoudre à la spécialisation, pour un produit modèle excellence scolaire. Qui est le sport-études, c'est une autre logique. Ou un dinas, un centre déterminé, qui sont ensemble, qui traînent ensemble, qui écrivent ensemble. J'ai affecté des enseignants qui écrivent, un homme des superviseurs pédagogiques qui chauffent le renforcement de l'homme, un homme les entraîneurs de l'homme, les câbles l'homme, un une cellule libre de la jeunesse et sport, ou le même, l'imtba l'évolution de l'homme pour garantir, ou derrière les hommes, un plan B en cas d'échec. Il y a le reversement au cas où, mais des chèques, si nous mangeons. Quelles sont les filières au niveau universitaire ou là, au niveau de la formation professionnelle qualifiante au niveau des CQP et autres. Donc, tout un projet, il a besoin de mettre en œuvre la vision en mettant les moyens financiers et surtout, j'insiste sur une chose et qui fait défaut dans les pays africains, c'est la formation de cadres sur le niveau initial et surtout contenu. On est très doué dans les projets, mais on est mal doué dans l'entretien de nos projets. Donc,
La primauté, l'essentiel, c'est les formations continues pour le suivi avec des rapports réguliers, avec des gens spécialisés pour pouvoir dire que mon projet, il est sur la bonne voie pour aller vers l'avant. Et encore, il ne faut pas être trop optimiste parce que le succès, le gain, la réussite, il y a des paliers. Quand je suis des niveaux, quand je suis quand je suis les pays d'ailleurs, quand je suis les pays arabes, je suis les pays africains, je vise l'échelon international. Encore, il ne faut pas encore culpabiliser et dire le PS et l'ICSF, le milieu scolaire. Il y a encore la part du sport universitaire. Les États-Unis, ils dominent le monde par le sport universitaire. Parce que la vraie spécialisation, 16 ans, 26 ans, 10 ans, la plupart, le bachelier qui est à 17 ans. C'est-à-dire, il y a 9 ans de spécialisation sportive, l'université avec des entraîneurs, c'est pas des professeurs, ce sont des entraîneurs, des trainers, qui doivent les athlètes selon le moyen de l'homme, avec un programme bien déterminé, pour qu'ils traînent, ou qu'ils ont les filières, les sont directement attachés à la vie, soit qu'ils soient kinés, ou médecin de sport, ou avocat de sport, et beaucoup de situations. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Shukran, Oustad Moukhsadir, Si Aziz. Nata wahed kalima مختصر على السي الشرافي فليتفضل مشكورة شكرا انا عندي واحد جوج كلمات ولكن قبل نبغي نشكر السي عزيز على لا كاليتي ديال الانترفونسيون على انه ما استعملش لا لونغ دو بوا في لي ريبونس ديالو الحمد لله كنبغي كذلك كنشكر البوابه ديال اسد التربيه البدنيه اللي فتحات هذا المجال ودبي توجور ماشي عاد اليوم فتحت هذا المجال هذا لي زونسينيون سي ان ليو دو رونكونتر اللي كتلاقاو فيه مفتشين اساتذه مكونين اداره مركزيه وكنعرفوا كل واحد شنو الاهتمامات ديالو شنو لي زاتونت شنو المشاكل اللي مطروحه دونك اون فان دو كونط اون اون فيزيون سيستيميك على لو سيستيم ديالنا اللي هو تدريس المجال ديال تدريس التربيه البدنيه وكذلك المكون ديال الرياضه المدرسيه غير للاشاره بحكم اننا كنهضروا على اللقاءات اللي كنتلاقاو اونلاين هادي غير اون بتيت بارونتيز ان الاخوان حبذا لو انهم ملي يتكلموا ياخذوا الكلمه يديروا الكاميرا ديالهم اون سو كوني بار لي نون بار لي بسودو نون اللي كنستعملوا ولكن مومون دوني خاصنا نلصقوا واحد الوجه لواحد السميه باش نوليو كنتعرفوا 100% هذا من جهه بغيت نرجع للسي الاخ اللي هضر على لو سبور على ديال بعض الاساتذه اللي كيوصلوا 17 مره 15 مره للناسيونال انا كنظن الوصول ديالهم اون فان دو كونت سا ديبون منهم هما صادر السي الحساني الا هزيتي ديتي النيابه اخرى كون متاكد بانه غيمشي صادر اون فان دو كونت لو سبور ناسيونال باقي لو سبور سكولير اون جينيرال باقي عنده علاقه مباشره مع الاشخاص ماشي مع لو سيستيم اللي كيتكون وكيتاثر وكيتقاد وكيولي عندي اون ايفوليسيون فيه انا متاكد بعض الاخوه اللي كيوصلوا للناسيونال انهم ولو يبدلوا المديريه الاقليميه غادي يجيو للناسيونال ولو يمشيو المديريه الاقليميه اللي مع مراجعه الناسيونال هما غايجيو للوطن لقاش هما عندهم سون موردي بالتربيه البدنيه وبالرياضه المدرسيه وهذا الحب هذا ديال انهم يوصلوا نرجع غير واحد التوضيح سبوريتي بحكم انه تذكر بزاف داخل المداخلات ديالنا للتوضيح وهي مناسبه بحكم اننا مجتمعين كلنا كما قلت قبيله كاين اوتور كاين اساتذه كاين مكونين كاين مفتشين اكسترا كاين اللي انتريسي وجا كيسمع لاحظ واحد الاخوان كنشوف الاخ ديال الشباب والرياضه اللي معنا سي عبد الله سراج مطالي الاسم ولكن ماشي في مجال التربيه البدنيه ولا مجال التربيه الوطنيه ولكن حاضرين معنا بعض الاخوان ديال الشباب والرياضه سبور ايتود سي ريبونس لي جات بور ريبوندر لي زاتونت ديال الكلوب باش غادي نهضر باللغه اللي هي سامب لي كلوب كيقول لك بان الوقت ديال التدريب كيكونوا الدراري كيقراو ا مومون دوني هاد الولد هذا كيطرح له مشكل واش نمشي نترين ولا نمشي نقرا الا حس براسو شي شويه بيرفورمون كيقول واقيلا راه عندي افونير في الرياضه ما كيمشيش يقرا مع الكومول ولا لابسونس ولا لابسونس في لي كونترول كونتينيو ولا لابسونس في الدروس ا مومون دوني كيولي عنده لو روتور لا سكولاريتي تري ديفيسيل بارفو امبوسيبل دونك منا كيلقى بان لو ديكالاج ما بينه وما بين لي زامي ديالو فاتوه دروس كثيره فاتوه دي شابيتر كثيره فاتوه في مواد كثيره دونك باش يرجع يقرا لدرجه اننا سي مالورو اننا نقولوا وهذا هذا ان اكزومبل جو في با دير لو نون ان بنت اللي هي مزيانه في الاتليتيزم الى ابوندوني لا سكولاريتي ديالها في 9 ماني اون تريبلون لا 9 ماني سي مالورو
لقاش ان مومون دوني وهضر عليها السي عزيز قبيله لا كارير سبورتيف في حد ذاتها هي اف ام ار ان بتيت اكسيدون بو تو راتي كاع لا كارير سبورتيف ديالك دونك اللي جاكم ريبونس هو ان هاد الوليدات حنا وزاره التربيه الوطنيه ان في با لو ريكروتمون ان نو ريكروت با لي زيلف اي سو باس سور اي ليست اللي كتجيها من المديريه الجهويه للشباب والرياضه اللي هما كياخذوها من عند المدربين ديال هاد التلاميذ هادو المنضاصين يقول لهم هاد الوليدات بغينا نقراهم سبوريتود صافي حنا اون في با لو ريكروتمون ما كنديروش لو كونكور دونطري دونك سي ان نوفو باراديغم اللي كيختلف على الشعبه الرياضيه وكيختلف على لو كوليج اللي سي دي زابيت اللي هادو سو سون دي بحال قلتي اون اورغانيزاسيون ديالنا حنا اون في لا سيليكسيون اون في لورينتاسيون اون في لو سويفي اون في لونطرينمون اون في تو سي ان نوفو باراديغم اللي وزاره التربيه الوطنيه ما كتدخلش في التدريب ديال التلاميذ سو سون لو بروبر كوتش لو بروبر اونترينور كي اسور لا كارير سبورتيف ديالهم الوزاره التربيه الوطنيه ال اسور ال دو اسوري لا سكولاريتي اي لا ريوسيت سكولير دونك ال ميت تو بور لا ريوسيت سكولير ديال هاد الوليدات على اساس ان البارتنر الاخر اللي في البارتنر ديال توقع دوفون سا ماجيستي محدد المهام سبوريتود فيها جوج ديال لي اوبسيون اوبسيون 1 هي اللي كنهضروا عليها كلنا مؤسسه تعليميه كتقول بانني انا غادي نفتح السبوريتود وعلى الانديه وعلى العصاب والجامعات ووزاره الشباب والثقافه والشباب والرياضه يمدوني باللوائح ديال التلاميذ اللي غادي يدرسوا عندي هذا بروميير اوبسيون دوزيام اوبسيون اللي كاينه في البارتناريا هما لي سونتر سبورتيف ديال الانديه الرياضيه ديال لي فيدراسيون في حد ذاتها كتقول مثلا واحد النادي رياضي عنده واحد المجموعه ديال الوليدات في مختلف مؤسسه في مختلف المستويات الدراسيه كتقول غندير مركز رياضي على اساس ان ليتود ديال الدراري لونطرينمون ديال الدراري لا بريزون شارج ديال الدراري كدار داخل النادي سكاسيور وزاره التربيه الوطنيه هي لافيكتاسيون دي زونسينيون بور اسوري لونسينيمون ديال هاد الوليدات داخل المركز الرياضي ديال هاد النادي ولا ديال هاد الجامعه دونك هادو لي دو اوبسيون اللي عندنا دونك لو كوتي سبورتيف اونترينمون sélection, recrutement des élèves sportifs, ce n'est pas du ressort du ministère de l'Éducation nationale. C'est la première chose. Je m'excuse, nous avons parlé de la promotion du sport national. Nous savons que les ministères sont tous les membres de leur travail, avec des décisions, des marasins, des DAHR, etc. Nous avons parlé du ministère de l'Éducation nationale, de la promotion du sport, tout court, nous avons parlé du sport. كنقولوا نبداو سبور سكولير ولا عندنا لا بروموسيون ديال سبور ناسيونال ولكن كنساو بان راه كاينه وزاره هي الوزاره التوتال ديال لو سبور في المغرب دابري لا لوا 309 وهضرنا قبيله على اننا نونجاجيو لي زيكيب ديالنا سكولير ديال لي اسوسياسيون سبورتيف سكولير ديال لي ستابليسمون اسيرون في لو شامبيون ناسيونال على اساس انهم غيلعبوا اكسترا اون فوا با لي كلاسي مع لي زوتر ولكن لا لوا 309 كتمنع الجمعيات الرياضيه بالمشاركه في الانشطه التي لا تنظمها الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه يمنع من عند كليه المشاركه في الدوريات ولا في لي شامبيون اللي كتنظمهم وزاره الشباب والرياضه ولا لي فيدراسيون هذه غير كتاكيد على كاين لا لوا اللي كتنظم هذا العمل دونك بالنسبه لينا حنا نو سوم اون كومبوزونت اسونسييل في لا بروموسيون ديال لو سبور ناسيونال مي ا مومون دوني خاصنا نجلسوا مع البارتنير اللي هو لو مينيستير دو تيتيل ديال لو سبور باش نقولوا كيلي لا بار ديال وزاره التربيه الوطنيه واترافير مديريه الارتقاء بالرياضه المدرسيه وكذلك ما تدريس ماده التربيه البدنيه كاس كون بو فير اونسومبل بور بروموفوار لو سبور ناسيونال مي سو بوزي لا كيسيون ولا دوني دي ريبونس بور نو اوني كابابل اون لي مي سو ني با نوتر فوكاسيون سو ني با لي زوبجيكتيف ديالنا نقولوا باننا اون فا بروموفوار لو سبور ناسيونال ا نو سول نو عندنا كنحطوا واحد الياجورات ديالنا في البناء ديال الرياضه الوطنيه ولكن لا نبني الرياضه الوطنيه حنا عندنا المكون ديالنا والاهميه ديالته كما شار ليها حتى السي قرواش باننا هي ستان باساج اوبليغاتوار ليكول 8 مليون ديال التلاميذ كيدوزوا من المدرسه ما كيدوزوش من الانديه لا ديكوفير ديال هاد الرياضات كيدوزوا من المدرسه ماشي من الانديه الديتكسيون ديال لي جون كي بوف الي لوان في السبور كيشوفهم استاذ التربيه البدنيه قبل اللي يشوفهم مدرب راه ما يمكنش تعلموا لو سون هوتور ديال فوسبيري قدام الباب راه كنكتشفوا في المدرسه راه ما كنديرش لونسي دو بوا قدام الباب باش ممكن نلعب الفولي ولا الفوت ولا نجونغلي بان بالون دو الباسكيت قدام الباب ديالنا ونقول بان عندي مؤهلات ولكن كاين سيرتان سبور اللي كون بو با ديكوفرير الا ما زدناش من ليكول دونك سي ديجا هاد لا ماس ديال 8 مليون راه ان اوبين بالنسبه للكلوب
ينوبين بالنسبه للفيدراسيون. دونك غير نتساراو على سكون بو فير افيك لي زوتر بور بروموفوار لو سبور بور بروموفوار لو سبور ناسيونال. كنظن الاخوه اللي قالوا بان كاين تراجع الرياضه المدرسيه الفو فوار لي ريزولتا. راه نو سوم شامبيون دي موند في دانون 2015، راه عندنا شامبيون ديال الكروس انترناسيونال مع الاي اس اف كاتراني دو سويت اكسترا اكسترا. عندنا لي ريزولتا وعندنا نقول لك دي زيكسبلوا ديال لي سكولاريزي. داكور اون بو سو بوزي لا كيسيون واش هاد الدراري سون فورمي على ليكول ولا سون فورمي ايور. سي تي موفيز كيسيون، سي كيسيون كي نو فو با بوزي فيو ان هاد الوليد اللي كيهز الرايه الوطنيه سي ان برودوي اللي كاينه فيه هاد كما قلت قبيله ليكول كتفتح المجال بور ديكوفرير كتعطي لي زاب سي كديتيكتي كتورينتي كتعطي لو تيموان لو كلوب لو كلوب كونتينيو ترافاي شكي ادوني بلوس. Ce n'est pas une bonne question. On a tous donné, c'est le produit, c'est un citoyen national, c'est le drapeau national, c'est le Nashid Watani qui est dans la télévision ou dans la télévision. On ne se pose plus la question de l'ingénieur de l'ingénieur. Nous sommes tous les jours et nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. C'est la complicité, c'est la complémentarité, c'est la synergie des compétences, mais les intervenants, c'est ce qu'il faut chercher. ممكن لو كادر اللي عطانا دابا سي عزيز ممكن بور دوني بلوس لاكسيون ديال لو سبور سكولير ديال ليديكاسيون فيزيك داخل المؤسسات على اساس يتم التتميم ديالو ويتم تحديد الاهداف مع الشريك الاخر اللي هو المسؤول الاول والاخير عن الرياضه الوطنيه. كنظن بانني جو في لو تور ديال اللي قالوا الاخوان. ونعاود ناكد على الشكر ديال السي عزيز وعلى كاليتي ديال الانترفونسيون على سعه الصبر ديالو والاجابه على جميع الاسئله. والله يسمح لينا من شقاكم الاخوان ديال البورتاي ديال لو بي اس ماروك بحكم انكم فاتحين لنا هذا الباب. كنتلاقاو مع الزملاء ديالنا وكنتناقشوا وكنتشاركوا الهموم ومثل بان راه كلنا عندنا نفس الهم قبل لا تكون رياضه ولا تكون مورضي بالرياضه. سي نوطر كامبان كنتخلصوا على هذا الشيء اللي كنديروا. دونك باش نحللوا هذا الرزق اللي كنتخلصوا عليه راه هي اللي كتخلينا كنهضروا بهذا الحماس وبهذا بعض المرات ماشي انفعال اللي هو سلبي ولكن انفعال اللي كيخلي الانسان انه يزيد القدام. ديزولي الا طولت الهضره عليكم سمحوا لي وميرسي بور تو مون. شكرا الاستاذ المقتدر سي عبد اللطيف ومرحبا وهذا شرف لينا. بارك الله فيكم. السي عزيز قبل ما نعطيك الكلمه الاخيره استسمح نعطي السي سمير بغى واحد 10 ثواني ولا 20 ثانيه. هذا عارف اون طونك كونترينور شيفروني دو ليكيب ناسيونال ديالنا سي تبارك الله عليه. انا اللي بغيت نقول اون ا بيزوان vous savez بداي فور ميرسي لوبورتونيتي اللي تحت لنا البوابه والفور ميرسي عزيز قرواش عرفتي علاش لانه qui peut aller prendre un thème bhalaka pour créer une dynamique réflexive autour d'un thème qui est toujours les représentations brouillées en tout le monde. Donc un grand remerciement aussi à Aziz. On te met le bon continuation pour le doctorat dialo flex, le domaine de développement de l'excellence sportive. Et on a besoin de plus de Aziz Karouach. On a besoin de plus de Bouabet Bzef pour qu'on puisse aller de l'avant. Ou qui m'a absorbé dans la gestion du sport scolaire l'AN. Via la direction du sport scolaire, les portes sont ouvertes, l'esprit est ouvert. Et les propositions, les quatre le sport national, c'est le rôle de l'NSC, faire de la masse, de la pratique, de détecter et d'orienter. Où on doit s'inscrire d'une vision étatique et avec l'aide, bien sûr, de l'Aziz Krawash, de l'Ansari, de l'Shurafi, de d'autres intervenants, de l'Ajemel, de l'Assidat Tarbiyah Badaniya, qui sont aslan la base de l'Ajemel, qui sont les gens qui jouent, qui jouent, qui jouent, Riyada en général, Riyada Mdrasya. Donc, merci encore, c'est Aziz, Bakla Alik, félicitations pour vous, pour votre courage, c'était pas facile, et aussi pour votre enthousiasme, pour, je sais, l'intervention qui dépasse 3h, 4h, من بعد خصها اسبرو ولا اسبرين. ميرسي سي انصاري، ميرسي بور تو لا كاليتي دي انتفونسيون ديال مي كوليغ لي بروف ديديكاسيون فيزيك. ونتمناو نشوفكم مره اخرى. دونك اون فاغيستي في لاسواغ اننا نعاودو نتلاقاو عاوتاني اون اوتخ فوا ان شاء الله سيسيون. ميرسي.
شاء الله. شكرا شكرا جزيلا ومرحبا سي عزيز، لك الكلمة أخيرة. كنظن بان سيتي ان بليزير aujourd'hui de discuter autour d'un thème intéressant parce que est-il qu'on est de l'éducation physique et on balance un petit peu vers le sport civil. On a toujours un souci pour le premier amour. Le premier amour, c'est l'éducation physique, ça c'est sûr. On aimerait bien de voir l'éducation physique vers le haut. Donc ça, c'est très important. Donc je remercie des responsables qui ont pris le courage de participer dans des interventions. C'est Chorafi, c'est Samir et d'autres personnes qui peut-être sont là que je ne connais pas, de venir de donner leur point de vue. Et moi, je dis que mon objectif, il est atteint. Je l'ai dit, vers une philosophie, c'est à vous de décider vers la fin. Donc, l'idée, c'était de déclencher le débat. Alhamdoulilah, le débat, il est là. Les gens, ils commencent à réfléchir. Et on se dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester là, on doit changer, former, investir. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, je me dis que l'évolution a été toujours autour des petites idées vers des grandes idées et la conversion vers des projets. Il faut toujours rester sur cet esprit-là. Il faut oser dire des choses, mais donner des solutions moins que poser des problèmes pour être dans une option constructive. Le pays, c'est notre pays. Nous voulons voir les forts, nous voulons voir les équipes qui nous aident, nous voulons voir l'oustad Farhan, nous voulons voir les élèves Farhan. Mais en donnant avec les idées, en travaillant avec acharnement, en partageant l'idée, en aidant l'autre. Donc ça, l'homme, ce sont des ingrédients de la réussite parce que la réussite ne vient pas du jour au lendemain. Donc, alhamdoulilah, comme je l'ai dit pendant l'intervention, qui fait la joie du sport civil, la plupart, c'est des profs d'éducation physique à 75-80%. Donc, ces gens-là qui font la joie ailleurs, ils peuvent toujours la faire à l'intérieur. Mais avec plus de motivation, avec plus de formation continue, et pourquoi pas, là, on est un petit peu gâté après c'est l'Hassan Oubahmo, d'avoir M. Mili, quelqu'un d'expérience, un vieux routier sur le sport, professeur d'éducation physique, management des établissements de formation. On ne peut qu'être optimiste et se dire, Inch'Allah, demain, ça va être beaucoup mieux. On est tous là pour mettre notre main dans la pâte, pour aider les choses à évoluer, aller vers l'avant. Et je ne vous retiens pas trop parce que donc je vous souhaite bonne chance, merci encore pour l'invitation, bonne chance et salutations à tous mes collègues, les professeurs d'éducation physique, femmes et hommes, tous Inch'Allah pour une éducation physique florissante, pour un sport scolaire plus épanouissant et restons optimistes pour un lendemain beaucoup meilleur et mes salutations et mes respects. شكرا جزيلا سي قرواش، كلمة أخيرة. في الأخير أود أن أشكر الأستاذ المقتدر سي قرواش عبد العزيز على هذا الموضوع الذي أثار مجموعة من الإشكاليات تخص التصورات المرتبطة بحصص التربية البدنية وعلاقتها بالرياضة، وأن الجانب العلمي والبيولوجي هو الركيزة الأساس والمحور في كل التدخلات. أقول الموضوع كان غنيا ومثمرا، مواضع مثل هذه تستحق اهتمام كل المتدخلين، لأن فلسفة التلاقح بين الرياضة والتربية البدنية أضحت من مسؤولية الكل، وزارة التربية الوطنية، وزارة الشباب، وأصبح التقارب بين المدرب وأستاذ التربية البدنية شرطا لازما. أشكر مرة أخرى جميع المتدخلين، السادة الأساتذة، السادة المفتشين، سي عبد اللطيف الشرافي، سي سمير، وجميع السادة الأساتذة الحاضرين لا في زوم لا في البلاتفورم. شكرا جزيلا، أغنوا النقاش بتدخلاتهم القيمة وفي المستوى، أعطت لي ندوة تكاملا غنيا استفدنا منه جميعا. وحتى لا تذهب هذه الأفكار سدى، سوف نلخصها ونرسلها إن شاء الله على شكل توصيات. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي عزيز، شكرا لكم، شكرا جزيلا.